Merci, bien, merci, ça. Merci, public aimé. C'est le noyau dur, je n'étais pas là. Merci d'être là. Ça doit être quoi, la 20e, la 19e 19e édition. 19e session des palabres. On revient dans notre intimité. Merci d'être là. Merci, merci Guylaine, ça faisait longtemps. Merci Roche. Bah oui, ça fait du moment quand c'est poche. Donc ce soir, c'est quoi le thème? Éducation et vie scolaire. Éducation et vie scolaire. Éducation et vie scolaire, donc on a choisi des livres qui, d'une manière générale, évidemment, parlent de la vie dans les lycées, pendant les études et tout ce qu'il y a autour. On a choisi, dans le couloir du campus, de Faustin Kiroal et Turmi, c'est son premier roman, aux éditions L'Harmattan. Nous avons choisi, évidemment, c'était au cœur du sujet, sachant qu'on en avait parlé avant qu'il y ait le prix. Hein. Donc, Scolastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil, dont nous parlerons tout à l'heure. Nous avons choisi le bâtiment A de Marien Fonengombe. Nous l'avons reçu au mois de juin l'année dernière. Il était venu nous présenter des nouvelles escales. Et donc là, c'est un second. C'est pas vraiment un recueil de nouvelles, parce qu'il y a un certain lien entre les différents personnages, on en parlera tout à l'heure. Donc, Marien Fonengombe. Ensuite. Il est de quel pays? Il est congolais. Il est d'origine congolaise. De Congolais de Brazza. Ensuite, nous avons un Chamoiseau, une enfance créole. Une enfance créole. C'était tout pour. Oui, c'est ça, on a fait le tour. Ah oui, non, il y en a un qui n'est pas sur la table. C'est qui est le Alice Indam, pourtant je l'ai, j'ai oublié de le rapporter, désolé. Alice Indam, qui est d'origine gabonaise, qui a écrit C'est demain qu'on se fait la malle. Nous en parlerons tout à l'heure aussi. Et donc ce soir, nous allons recevoir Mamadou Mamoudong, qui va venir nous parler de Remington. Je suis content de l'avoir, ça faisait un petit moment que nous voulions l'avoir comme invité. Quelqu'un de très très intéressant avec qui, obligatoirement, il faudra qu'on rediscute de ce qu'est la littérature africaine et de sa place dans la collection Continent Noir, parce qu'il fait des choses qui sont superbes. Et voilà, c'est une discussion ouverte avec lui, vous verrez tout à l'heure. Donc Remington, Mamadou Mamoudong, qui est très 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 bon auteur. On commence par Scolastique. Un peu facile quand même. Hein. Commençons par Scolastique, mon casson. Voilà. Aurore, tu nous dis ce qu'il y a dedans et ensuite. Voilà. J'ai peur d'être intarissable. Hein. Bon. Alors, Scolastique, mon Kasonga, écrivain rwandaise, qui a écrit plusieurs recueils de nouvelles. Notre-Dame du Nil, c'est son premier roman, sauf erreur. Ça parle en fait d'un lycée qui s'appelle Notre-Dame du Nil, qui est perché sur les collines au Rwanda, et d'un groupe de jeunes filles qui fréquentent ce lycée. Alors, ma description a l'air un peu anodine, en sachant juste que bon, le Rwanda était le théâtre d'un génocide il y a une dizaine d'années, génocide qui a eu du mal à être reconnu. Et en fait, ces jeunes filles sont d'ethnies diverses. Les principales ethnies qui combattent entre elles, à savoir les Hutus et les Tutsis. Et dans ce lycée, il y a une mixité des ethnies. Alors, elle raconte la vie des jeunes filles. Ça a l'air d'être un roman anodin sur la vie d'un lycée, ce qui s'y passe, de jeunes adolescentes, leurs émois, leur ambition, leur découverte du monde, etc. Et puis, en arrière-fond du livre, en fait, de la vie au lycée, elle aborde la problématique du Rwanda et cette espèce de conflit qui... Une seconde, prenez juste une chaise de l'autre côté, il n'y a aucun souci, ça ne dérange absolument pas. Elle parle, et en arrière-plan du livre, en fait, de la vie au lycée plutôt, elle parle de cette espèce de conflit qui est latent entre les Hutus et les Tutsis. Il y a déjà eu quelques petites escarmouches qui ont fait rage. Il y a eu des antécédents dans le passé. Ça se passe dans les années 80, 70 plutôt. Et avant ça,
Il y a déjà eu des, soucis entre les Hutus et les Tutsis en 59, en 64, mais il n'y a pas encore eu le génocide, il n'y a pas encore eu ces événements dramatiques dont on va parler dans le monde. Mais c'est des enfants, c'est des jeunes filles qui sont déjà très imprégnées du tribalisme. Il y a une espèce de sélection naturelle qui se fait dans la société. Les Tutsis, c'est l'ethnie minoritaire, et les Hutus, c'est l'ethnie au pouvoir. Et donc, les Hutus commencent à effectuer une sélection naturelle dans les arcanes de... Un peu français, mais oui. Oui, bon, mais ils le font passer naturellement. Dans les arcanes de la société, à tous les postes de responsabilité, dans les villages, dans les villes, les Hutus prennent petit à petit le pouvoir et ils inculquent cette espèce d'esprit de tribalisme à leurs enfants. Et on le sent au lycée, mais c'est latent. Alors, il y a des personnages très marquants, dont une première qui m'a marquée, qui s'appelle Gloriosa. Je pense que ça doit être un clin d'œil de l'auteur, hein, pour l'avoir appelée Gloire, parce que voilà, elle est un peu allumée. Moi, je dirais ça comme ça. Alors, c'est la fille d'un général Hutu, qui est très ambitieuse, qui n'est pas très bien pourvue par la nature, elle est presque laide, mais elle est très ambitieuse, et puis elle considère les Tutsis comme des Ianzi. Alors, Ianzi, c'est le terme qui est beaucoup revenu pendant le génocide, c'est ce qui a justifié beaucoup d'actes. Pour eux, les Tutsis étaient assimilés à des cafards. Et cette fille, elle va commencer lentement, sans raconter le livre en fait, elle va commencer lentement dans le lycée à essayer d'effectuer la même sélection qui s'effectue dans la vie en fait, entre les Hutus et les Tutsis. Et elle va former, elle a un esprit un peu dominant, elle va former, elle va constituer un petit groupe et puis elle va décider de faire du mal à des Tutsis. Alors ce qui est génial avec Scolastique, c'est qu'au début, bon moi je lisais ça un peu en me disant... Le Rwanda, il se passe quoi? C'est gentillet. Bon, elles se disent de temps en temps, elles viennent dire, mais bon, rien de très grave. Elles sont assez virulentes dans leurs paroles, mais ça reste des paroles, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de, comme on a pu dire, manche longue, manche courte, personne tue personne. Pour le moment, c'est pas sanglant, c'est gentillet. Et puis, au moment où on s'y attend le moins, c'est latent, en fait. Ça explose. Ça explose. Surtout, Fat, le même ressenti. Oui, j'ai eu le même ressenti. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, non seulement les Hutus étaient en train d'effectuer une certaine sélection auprès des Tutsis, mais au Burundi, pendant ce temps-là, juste à côté, les Tutsis effectuaient une sélection inverse sur les Hutus. Donc, ouais. Donc à chaque fois, ça faisait un effet de transfert. À chaque fois qu'il se passait quelque chose au Burundi contre les Hutus, il se passait quelque chose au Rwanda contre les Tutsis. Et donc, Scolastique illustre très, très bien ce transfert qui se faisait à chaque fois. Et ce qui m'a touchée dans ce livre, c'est la manière dont elle montre que la haine peut... Que la haine ne se montre pas. C'est-à-dire qu'elle elle se montre pas quand elle arrive. À un moment donné, elle est là. On ne sait pas d'où elle vient, mais à un moment donné, elle est là. Et elle appelle un peu à la vigilance, en fait. Parce que ça peut commencer par un petit... oui, mais toi, t'as un nez trop élargi. Moi, j'ai un nez... C'était comme ça, les différences entre les Tutsis et les Hutus. C'était ça. Voilà. Bah, sur ce livre, il y a beaucoup de choses. Hein. Par exemple, oui, il y a beaucoup d'aspects qui sont traités. Le gars un peu fou qui... L'anthropologue. Qui fait un culte aux Tutsis. Aux Égyptiennes, aux Égyptiennes. Sont descendants des Égyptiennes, ils ont les traits fins. Et qui est un peu perché dans son domaine... et qui dessine toutes les élèves Tutsis en fait, qui les dessine et qui voue un culte. Mmh. Et d'ailleurs, enfin, moi. Elle en parle. Oui, elle en parle. J'ai lu ce livre. C'est vrai, il y a l'atmosphère félina, il y a les 10%, parce que les Tutsis, donc ils ont un quota de 10% de Tutsis, pas plus. Il y a le peuple majoritaire qui est Hutu, qui estime que c'est eux qui sont qui ont droit à tout. Il y a Gloriosa qui fait, elle, qui prend le pouvoir dans le lycée, en gros, même devant toutes les mères révérentes, puisque c'est un lycée catholique. Mais j'ai pas accroché. Moi, j'ai pas accroché. J'ai pas ressenti. C'est un huis clos. Elles sont enfermées dans leur lycée. Plein de choses se passent. Il y a des relations entre jeunes filles. Et petit à petit, on est censé faire monter la tension.
parce que petit à petit, il y a des choses de plus en plus graves qui arrivent. Mais justement, moi, quand je le disais, je n'ai pas senti la tension monter. On a chroniqué Lingifu il y a quelques temps. Lingifu, oui. En avril dernier, je crois. Trouver une petite chaise au fond pour Mamadou Mamoudou qui vient d'arriver. Moi qui passe aux familles. Donc, on avait chroniqué il y a quelques temps Lingifu. Mais ces nouvelles étaient beaucoup plus prenantes, beaucoup plus poignantes. Enfin, moi, j'étais tout de suite dans Lingifu, je suis rentré dedans, c'était poignant. Je me disais, mais en plus, c'était des enfants, avec la faim et tout. La tension, la noirceur, j'ai trouvé que c'était très fort dans Lingifu. Et honnêtement, dans Notre-Dame-du-Nil. Que j'ai tout lu les livres de Scolastique, donc les trois premiers sont des récits. Exactement. Elle le dit bien elle-même, sur celui-là, elle a écrit un roman. Oui. Donc la démarche était un peu différente. Ceci dit, bon, je ne suis pas du tout d'accord avec toi sur ce livre, parce qu'en fait, le lycée, pour moi, enfin, ce qu'elle a voulu représenter, c'est la société rwandaise avant le génocide, mais à l'échelle d'un lycée. Donc évidemment, les événements peuvent paraître moins importants que ce qui se passait dans la société rwandaise, mais elle veut justement montrer que c'est un... C'était comme ça aussi dans le lycée, donc on peut imaginer comment c'était dans la société. Et la deuxième chose que je voulais dire sur ce livre, c'est d'abord que c'est superbement écrit. Oui, oui, ça oui. Il faut quand même le dire. Bien sûr. Et puis aussi qu'elle en profite pour nous expliquer tout ce qui se passe, comment était structurée la société rwandaise et toutes les habitudes, toutes les coutumes, toute la nourriture, enfin tout ça. En plus, elle nous livre en plus dans ce livre. Et moi, je trouve justement cette ambiance que tu dis, toi, n'a pas cette les récits, ces trois récits antérieurs sont très poignants, mais ce livre-là, pour moi, même dans ces trois récits, si c'est un roman, ce dont tu parles, justement, l'ambiance, la nourriture, je les ai justement découverts, moi, dans les Gifu, j'ai appris plein de choses. Mais là, il y a aussi. Et ça m'a pas. Mais ce livre-là ne m'a pas. J'ai pas eu l'impression que ça m'a appris plus de choses sur ce qu'était justement ce Rwanda-là. J'étais. À tous les niveaux, sans vouloir savoir si l'histoire elle est vraie ou pas vraie, je suis beaucoup moins rentré dedans. C'est très bien écrit, il n'y a aucun problème, c'est superbement écrit. Oui, non, il faut insister là-dessus. Même pour ça, faut le lire. Mais je compare par rapport à ce que j'ai lu d'autres d'elle. J'étais beaucoup moins... Mais je pense que t'as été influencée, en fait, genre, parce que ça... Ou tu t'attendais peut-être à un quatrième... Oui, voilà. Je veux dire quatrième Lingifu. Je voudrais dire une chose, c'est-à-dire que, dans ce roman-là, c'est une construction, c'est-à-dire que c'est avant le génocide. Exactement. Et effectivement, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle montre un peu... tout ce qui est en arrière-fond qui a construit le jeu aussi. Et notamment le personnage de l'anthropologue, avec toutes les thèses développées vis-à-vis, etc. qui sont des thèses qui ont été effectivement développées. Au Rwanda, on a parlé des Tutsis, ceci, etc. Des Égyptiens, toutes ces élucubrations-là, elles montrent bien, elles le cristallisent sur un personnage et elles le font marcher dans une démarche romanesque qui avance, qui aboutit à un climax. Et ça, c'est intéressant. Il ne faut pas s'attendre à voir le génocide. Dans les UFO aussi, on ne parle pas vraiment du génocide. Hein. Ça, c'est plutôt les événements qui se passent en 62, ce genre de choses. Mais voilà. En termes d'écriture, j'ai absolument aucun problème. Je trouve qu'elle écrit magnifiquement bien. Mais je trouve que sur la tension nerveuse, l'émotion, elle m'a fait plus facilement rentrer dans les récits. Peut-être que c'est de là aussi, peut-être parce qu'il y a une vérité dans ce qu'elle écrivait. Mais j'étais
émotionnellement, j'ai beaucoup plus accroché. Ben, je pense que c'est ça qu'elle a voulu mettre en avant dans Notre-Dame du Nil. C'est le fait que, a priori, rien ne devait se passer. On est dans un lycée où des jeunes filles sont insouciantes, elles sont innocentes, elles vont se promener avec un anthropologue qui croit qu'elles descendent des Égyptiens. Enfin, c'est une vie tout à fait normale. Et l'histoire du génocide, enfin, le génocide, il survient vraiment au moment où on ne s'y attend pas, mais vraiment à la fin. Je pense qu'elle a voulu mettre l'accent sur l'effet de surprise et sur le fait que voilà, l'adolescence est un moment où on perd un petit peu de son innocence. Et qu'elle a voulu dire que ces jeunes filles-là, elles ont perdu leur innocence par un événement comme celui-là. Par exemple, il y a un passage que j'aimerais bien lire. C'est une jeune fille qui a... Enfin, c'est un petit peu à la fin. Et c'est une jeune fille qui raconte ce qu'elle a vu. Et elle dit, maintenant j'en suis certaine, il y a un monstre qui sommeille en chaque homme. Au Rwanda, je ne sais qui l'a réveillé. Donc c'est une jeune fille qui se rend compte, en fait, qui réalise que malgré toute l'insouciance qu'elle pouvait avoir, malgré toute la vie, parce qu'elle vivait dans un pensionnat, elle vivait tout ensemble, et malgré tout ça, des événements comme ça ont pu arriver, en fait. Donc je pense que si on n'a pas cette impression-là, si on n'est pas pris émotionnellement, je pense qu'elle a dû faire exprès de... Peut-être. En tout cas, c'est clair que ça fait quand même l'unanimité. Hein. C'est le prix Renaudot 2012... j'ai l'impression que Françoise, elle m'a arraché les yeux. Je pense que vous pouvez faire confiance aux filles sur ce coup-là. et allez-y, et n'hésitez pas à venir sur le mur Facebook et dire, Joss, tu avais vraiment raconté des conneries. Surtout, j'aimerais dire quelque chose. Après avoir lu Scholastic, j'ai regardé Shooting Dog. Mmh. Un film qui a été tourné par d'anciens rescapés du génocide. Ouais. Et quand on regarde ce qui se passe dans le génocide, en fait, j'ai pris la hauteur de la performance qu'elle a fait. Mmh. En lisant le livre, j'ai un peu eu le même ressenti que toi. Je me suis dit, oh, tout ce bruit pour ça. Même si à la fin, il se passe vraiment quelque chose qui laisse entrevoir l'horreur que deviendra le génocide. Et en regardant le film, je me suis dit, en fait, elle a réussi à faire passer un message d'horreur dans la douceur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'elle a voulu faire comprendre aux gens que le génocide, c'est toi, c'est moi, c'est les autres, et ça peut arriver à tout le monde, en fait, et ça peut se passer n'importe où. Donc, vous l'aurez compris, hein, quand tu vois contre moi, je suis le maillon faible sur ce coup-là. on va switcher, je vais demander à Grace de nous parler de Dans le couloir du campus, de Faustin Kéroal et Turmi. D'accord, donc Dans le couloir du campus relate l'histoire, on peut dire que ça relate l'histoire de jeunes lycéens et aussi également de qui deviendront étudiants par la suite. Et ça relate une histoire d'amour, un peu, moi je l'ai un peu pris comme une histoire d'amour, même si c'est peut-être que le fond du livre c'était pas ça. Mais au début, ça commence par une histoire d'amour entre deux lycéens, un jeune homme au Congo-Brazzaville, un jeune homme et une jeune fille qui tout de suite. La jeune fille fait un peu languir le jeune homme pendant un très long moment. Et le jeune homme tourne autour d'elle, change ses manières de faire, se plie à ses volontés un peu durant tout le livre pour gagner son amour, parce qu'ils vivent dans des milieux sociaux différents. Donc lui est pauvre, elle est riche, fille de ministre. Et des deux ministres qui volent notoirement la nation de ses biens, de ses biens, alors que beaucoup de gens sont dans la rue et ont des difficultés à vivre, ont des difficultés ne serait-ce qu'à étudier, ont des difficultés à savoir comment ils vont dormir le soir, avec combien de cousins dans la chambre. Et c'est pas du tout caricatural, cette situation-là, c'est vraiment une situation qui a dû exister et qui existe même encore aujourd'hui en Afrique. Des gens qui vont à l'école mais qui ne savent pas quel sera leur avenir continuent à y aller malgré l'incertitude, malgré l'incertitude que présente l'école. Et pourtant, c'est pas dans ces années, c'était des années, je ne sais pas quand je suis. 80, 90. En fait, dans ce livre, ce qui est... Bon, on donnera un peu plus de détails, mais la première partie, c'est le lycée, la partie lycée, rencontre et tout. Et la deuxième partie, là, on est sur le campus. La vie à l'université Marien-Gouabi, sur le campus Marien-Gouabi. Donc, lui,
enfin de pauvres. Sur le campus, traditionnellement au Congo, c'est les gens qui viennent dans les familles, viennent des régions, viennent de l'intérieur et tout, c'est eux qui vont vivre à l'internat. Parce que sinon, on vit dans sa famille. Et donc, il y a ce type-là qui vit à l'internat, même quand il est au lycée, quand il va à l'université, il est à l'internat, avec des chambres où vous êtes trois et séparés par un pagne, par un rideau. Et cette fille-là, qui est fille de millionnaire, sort avec ce jeune-là depuis son lycée. Et c'est super intéressant. La deuxième partie, parce que j'insiste sur la deuxième partie, la première partie, je vous le dis clairement, la première partie, pour moi, sert à rien. Non, moi j'ai trouvé que c'était une suite, que ça sert à rien, non, ça construit l'histoire. Disons que c'est la moitié du livre, où la première partie, justement, il y a des choses qui sont importantes, de savoir comment ils sont sortis ensemble, les milieux différents, mais je trouve que c'est... On s'attarde sur beaucoup de choses, alors que la deuxième partie... C'est vraiment intéressant d'avoir justement ce couple-là entre la fille. Eux, ils sont en train de faire la grève parce que un mois sur trois, ils n'ont pas de bourse. Ils ne savent pas comment ils vont faire leurs études. Et elle, tout ce qu'elle a à dire, mais vous êtes en train de gâcher l'image de mon père qui est au pouvoir. En plus, elle est du nord et il est du sud. Et il y a toujours ce double regard, cette dualité entre elle qui est une enfant du pouvoir et qui jamais n'arrive à comprendre. Il y a une scène où ils font une collecte dans le campus parce qu'il y a un de leurs collègues qui est malade, et quand c'est comme ça, il passe avec une boîte, chacun met ce qu'il peut. Elle vient, elle regarde, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a combien de gens qui ont cotisé? Il y en a 11 pour avoir 15 000 francs CFA. Je dis, mais vous êtes tous des pagues, vous n'êtes pas capable d'aider votre ami. 11 personnes ont cotisé, vous n'êtes pas capable de sortir 12 000 francs CFA. Et à aucun moment, elle se dit, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Elle ne sait même pas comment mange son petit ami. C'est-à-dire que son petit ami dit, moi, je veux pas qu'elle sache, je veux pas qu'elle sache que j'ai le ventre vide, je veux pas qu'elle sache... Il mange son manioc avec la mangue, il prend sa mangue verte avec le manioc, et quand elle arrive, il mange ça rapidement avant qu'elle arrive, et quand elle arrive, chérie, tu vas manger, oui, il n'y a pas de problème, je vais manger. Bon, j'ai trouvé un peu quand même surprenant, c'est que c'est une jeune fille, elle vit peut-être dans du coton, ok, dans le confort, son père est ministre, mais bon, quand elle sort de sa maison, elle marche quand même dans les rues de Brazzaville, elle voit quand même les quartiers populaires, elle prend domicile au campus, elle voit ses colocataires, oui, elle voit cette chambre minable avec un rideau en pagne. Avec le temps, tu vois qu'elle s'habitue. Je pense qu'à un moment donné, c'était plus de la naïveté. Mais, même quand elle s'habitue, il y a quand même des choses, comme par exemple sur cette collecte, elle dit, mais voilà, je m'en occupe, parce que pour elle, 12 000 francs, c'est rien. Mais... Elle s'habitue pas. Par exemple, la chambre avec les trois rideaux, au départ, elle est scandalisée, mais on va pas faire nos affaires là pendant qu'il y a des... Puis au bout d'un moment, elle s'habitue pas, elle tolère. Exactement. Franchement, dans le livre, c'est ce que je trouve super bien, c'est de montrer la condition de l'étudiant dans le campus. Il y a des choses qui sont là-dedans. Réassis, l'amphicissant, tout Congolais de Brazza connaît l'amphicissant. Et l'amphicissant, c'était... Pas des sciences, donc... Oui, mais bon, d'accord. Mais voilà, donc, il y a des choses qui se passent là-dedans. Quand on a fait... Il s'est démarqué parce que c'était vraiment n'importe quoi. Au Congo, l'amphicissant, c'était les sciences éco. Ouais. C'était la Chine populaire, en gros. Donc, en gros, vous avez 1400 étudiants pour 600 places. Et quand on était étudiant, vous venez d'avoir votre bac, vous combattez les études, parce que c'est dur. Vous combattez les profs, parce qu'il y a beaucoup de profs qui donc partent du principe que eux, ils ont eu du mal à avoir leur diplôme, et il n'y a pas de raison que pour vous ce soit facile. Et vous combattez les anciens, parce que l'ancien, il risque de perdre sa bourse. La deuxième année, il n'y a pas la place pour tout le monde. Et donc, pendant les trois premiers mois, il y aura un baptême. Il y a des choses ils peuvent faire des choses vraiment ignobles. Ils vont tout faire pour que vous ne suiviez pas les cours. C'est pour ça que tu as préféré la deuxième partie. Parce que justement, ils parlent vraiment et ça rentre vraiment dans le thème. Moi, je l'ai rejoint sur cette partie-là. J'ai trouvé que dans la première partie, il y avait beaucoup de longueur. Il y avait beaucoup de longueur, des choses qui n'apportent rien. Mais il y avait beaucoup de longueur. C'était peut-être un peu gnangnan, mais bon. Voilà. Pourtant, je suis pas d'être de la gnangnanterie, mais je l'ai pris de la même manière du début à la fin du livre. La deuxième partie, pour moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon témoignage. Voilà, en fait, pourquoi j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs aussi, sans vouloir trop, c'est le style.
Le problème, oui, c'est aussi, vraiment une question aussi. De style. C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu concentré en Afrique centrale, mais on a un gros problème avec la langue française. On veut trop bien faire, on veut trop bien dire. On fait des circonlocutions, pas possible. Et finalement, on perd le respect. Non, mais c'est vrai, pour dire qu'elle a été dans le restaurant de sa démarche chaloupe. Voilà, le truc, il est compliqué pour rien. Non, mais j'exagère à peine. Moi, dans l'écriture, j'ai du mal. Il y a des écritures. Je pense que c'est un sapeur. Moi, je. Je pense que c'est un sapeur qui a écrit. Non, mais il y a des critiques, mais je trouve qu'on a lu des livres acceptables dont l'écriture était aussi beaucoup plus. Et on l'a relevé. On n'a pas forcément relevé. C'est pas le pire. C'est pas le pire, moi je vais mettre en défense. Ah, mais moi je défends le livre, hein. Je défends le livre. Et d'ailleurs, la gêne que j'ai eue sur l'écriture, sur la deuxième partie, je l'ai pas ressenti. Voilà, oui, je l'ai pas ressenti parce que l'histoire m'a intéressé. Je l'ai pas ressenti du tout du début à la fin. J'ai pris le livre grâce, t'étais dans un bon jour. Parce que là, en général, c'est un peu rare. Mais honnêtement, lisez ce livre, rien que pour lisez voir à quel priori. Point on a du mérite quand on fait des études à Brazza. Vraiment, vous savez, le prof qui fait son cours, qui écrit au tableau, et derrière il y a un ancien qui a fait pour le prof écrit une ligne, efface, et le prof il reste stoïque. Le chaos à Brazza, c'était pousser le prof à bout pour que le prof s'arrête, il dit bon, le cours est considéré comme vu, et il sort. Tous les anciens, ils ont le cours de l'année dernière. Ce sont les nouveaux qui ne prennent pas cours. Au-delà de ça... Et c'est une réalité. Excuse-moi. Ça parle quand même un peu de la vie à Brazzaville. Oui, c'est de ça, la précarité. Par exemple, il y a dans le livre, le principal, je ne sais plus comment on dit, le personnage principal, excusez-moi, il lui arrive, son oncle décède. Mais les circonstances du décès sont dramatiques, en fait. Il décède, mais pour rien. Pour aller prendre sa retraite. Des vieux qui se font tabasser. Voilà. Et le pauvre, il décède. Et le seul problème, c'est qu'en plus, c'était le seul apporteur de revenus dans la famille. Et du coup, son décès entraîne une précarité sur la précarité. Donc, la discussion de la veillée. Oui, voilà. Comment ça se passe, comment ça peut partir en cacahuète, une veillée au Congo, parce qu'il y a des gens qui décident de comme on dit chez nous, on achète la veillée, et puis ça devient... Les gens profitent pour se nourrir. Pour se nourrir, en fait, tous les jours, les gens viennent là, parce que ça, on fait... Il y a même des gens qui ne connaissent pas le défunt, mais ils viennent chez nous, comme on dit, les funérailles, c'est public, voilà. C'est pas privé. Et puis surtout, même la différence de classe sociale, parce qu'il y a une de leurs collègues à l'école qui décède, et qui, elle, est d'un milieu social aisé. Et ils vont à la veillée et ils se rendent compte que, mais, il manque de rien. Il y a du café, il y a à manger, à boire et à manger, en voiture, voilà. Les obsèques sont... Si ça dure deux semaines, voilà, deux semaines, sont pleines de face. Alors que lui, pour son oncle, pour avoir même le café, c'était, voilà, c'était compliqué. Moi, ce que je retiens, excuse-moi de te couper, mais vous parlez beaucoup entre Congolais, hein. Parle, ma soeur. Pourquoi c'est là à parler? Allez, vas-y. En plus, c'est l'Afrique centrale. Je ne suis pas en train de critiquer, mais ouais, ça vous rappelle tellement de choses que bon. Ce que je rejoins un peu Aurore, ce que je retiens du livre, en dehors d'un étudiant, je retiens la difficulté dans laquelle les étudiants, beaucoup d'étudiants peuvent vivre, et ça reflète, c'est le Congo, mais on prend la chose au Cameroun, je sais dans quelle université, c'est exactement la même chose, c'est pas propre au Congo. Abidjan aussi, je crois. Je pense que c'est à peu près compliqué partout, et ce qu'on retient, c'est chaque fois, c'est un éveil, enfin, on arrive dans le livre et puis les gens imaginent des solutions, on se dit, mais c'est pas inventé, c'est forcément... C'est du vécu. Enfin, ouais. c'est du vu, c'est du réel. On découvre des solutions à des problèmes qu'on n'imaginait même pas exister. Et moi, c'est ça l'importance du livre. L'importance de la fille qui arrive et qui débarque avec Elle est d'un autre monde. Ça met encore plus en contraste
avec la vie terre à terre de ces milliers d'étudiants, comment avoir une chambre. On a une chambre, on est dans 20 mètres carrés, on est 6, séparés avec des trucs, machin. Quand on a de l'eau, et encore quand on a des toilettes, quand on a un trou pour les toilettes, c'est génial. Enfin, et ça génère des une vie en collectivité où il y a on peut pas des amis. Il y en a un qui change de chaussures parce qu'en fait il a que des sandales et donc lui à chaque matin il va voir un collègue, bon tu vas mettre quelle chaussure aujourd'hui, donc il emprunte là. Attends, faut et le lendemain dire, là, parce que ça... rien que pour ça vaut le détour. Je l'ai dit tout à l'heure, je tape sur la tête de ceux qui se prétendent éditeurs, mais parce que ça, il y a un travail qui aurait dû faire par quelqu'un qui est censé être éditeur, justement, d'aider, comme dit, à certaines longueurs ou certaines choses qui auraient dû être faites par l'éditeur, mais bon, c'est un vendeur de pommes, hein, l'Armatan. L'Armatan ne fait pas grand-chose. Non, ce sont des vendeurs de pommes, c'est bien ça, c'est pas des éditeurs, mais honnêtement, je suis pas fan du style l'écriture, mais ça raconte vraiment des choses et ça raconte beaucoup de choses importantes. Moi, j'ai personnellement oublié le style. Pourtant, c'est quelque chose qui me tient souvent à cœur, mais j'ai oublié le style parce que je l'ai pris comme il venait, avec ce que ça voulait me raconter. Là, j'ai vraiment pris ce que ça voulait me raconter. Du coup, le style, ça m'a pas freiné en fait, contrairement. Mais il y a un message important là-dedans quand même, c'est que malgré toutes ces difficultés là, les gens font des études. Les gens relèvent des défis. Je veux dire, le fait que ce jeune homme qui est dans un lycée, qui est pauvre et qui n'a strictement rien, qui ne sait même pas s'il a un avenir, il ose quand même relever le défi d'aller draguer la fille du ministre, quoi. La manière dont il le raconte, bon, oui, et puis il est amoureux surtout. Donc, voilà, il est réellement amoureux. Et puis, alors, vraiment, c'est joli. Oui. La fin, c'est quoi? Mais honnêtement, c'est moi, je conseille parce qu'on découvre plein de choses. C'est un vrai témoignage faire des études dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est un combat contre, pas seulement pour réviser ses cours, hein, on combat contre tout. On combat l'environnement, on combat contre tout. Et quand on a réussi à avoir sa maîtrise à l'université de Marien Gwabi, on peut être fier. On peut être fier parce qu'on a combattu. C'est vraiment le combat. Faustin Kewa les Turmis, dans Le Couleur du Campus. Oui, seule la cuisse libère. À conseiller. Honnêtement. Tester, lisez, à conseiller. On switch sur quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chamoiseau. Tu nous racontes? Oui. Patrick Chamoiseau. Alors, Patrick Chamoiseau est un auteur originaire d'Haïti. Non. Non, c'est pas d'Haïti. Non, on ne parle pas l'ordre. Désolée pour la méprise. Cet auteur m'a touchée parce qu'il est. Sa manière d'écrire, il réinvente la langue française, en fait. Alors, ce livre, Une enfance créole, va raconter son enfance à Fort-de-France. Ça se concentre essentiellement sur son enfance parce que c'est le tome 1. Et c'est pour ça que ça s'appelle. Le tome 2, c'est sur l'école. Par rapport au thème, c'est plus le tome 2 qu'on aurait dû prêter. Mais c'est pas plus mal. Moi, ce qui m'a frappé là-dedans, déjà, c'est le sous-titre. Ça s'appelle En temps d'enfance. C'est-à-dire, nous, on aurait dit l'enfance d'antan. Et c'est un petit peu comme ça avec Patrick Chamoiseau. C'est qu'à chaque fois, il prend. Quand telle personne remontait la montagne au difficile, enfin il a un style assez particulier, il a une manière de s'approprier la langue française et ça ne choque pas. C'est très poétique. Je pense même pas que ce soit la langue française, je pense que c'est sa manière même de penser parce qu'on commence le livre avec c'est pas moi qui me souviens, ce sont les souvenirs qui veulent bien se rappeler à moi. Enfin, il prend tout à l'envers en fait. Il prend tout, il recueille. Enfin, Et puis même la manière dont le livre commence, c'est où débute l'enfance en fait. Alors que quand on écrit un livre sur l'enfance, on dit voilà, je suis née tel jour, etc. Mais lui, c'est où débute l'enfance. Et pendant tout le livre, il ne dit pas je. Il parle de lui en disant le négrillon.
Enfin, c'est une manière assez poétique de raconter son enfance, et puis après, c'est grâce aussi qu'il a lu. Oui, donc il raconte son enfance, et ça me rappelle le livre de cette suédoise ou danoise qui a écrit sur le Kenya. Pour moi, c'est le même genre d'écriture, c'est-à-dire qu'on a des souvenirs, on a des moments particuliers. Le lien qu'il fait d'abord avec les insectes, les animaux, mm-hmm. Et ensuite le lien qu'il aura avec les cochons, et puis le lien qu'il a avec il aime voir sa mère étendre le linge. C'est des moments de sa vie, en fait. C'est des photographies. C'est aussi descriptif que Karen Bexel. Pour moi, c'est exactement le même genre. C'est le style, après, qui va différencier. D'accord. Mais il raconte ses souvenirs de la même manière, avec autant autant d'amour que... Avec beaucoup de tendresse. Avec beaucoup de tendresse. Il adore se souvenir de... On entre avec lui, on n'attend pas forcément, on n'est pas forcément soucieux de connaître la suite, on se laisse porter, en fait. On se laisse porter par la vague. Et puis, à un moment, il parle beaucoup de celle qu'il a élevée, Maman Ninotte, si je ne me trompe pas. Maman Ninotte. Maman Ninotte, il l'appelle Maman Ninotte. Voilà, il l'appelle Maman. Et ce qui est touchant, c'est qu'à un moment, au tout début du livre, sa maison, elle a pris le feu. Et lui, il décrit la façon dont il voit les flammes, et il dit que ce sont des moments flammes. C'est-à-dire que même dans sa description, pour lui, ce sont des... il rentre vraiment dans son âme d'enfant, et il décrit son enfance comme on décrirait l'Odyssée de l'espèce humaine, c'est-à-dire l'âge du feu a commencé à tel moment. L'âge du métal a commencé quand j'ai découvert les lames gilettes. C'est cet aspect-là, c'est sa manière de dire les choses qui... Et puis il réussit. Parfois, c'est difficile de retourner en arrière, de retourner dans les pensées qu'on avait étant enfant, étant adolescent, étant je ne sais pas quoi. Dans l'état d'esprit. Et là, en fait, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment son enfance? Est-ce qu'il parle de quelqu'un? Comment il réussit à faire en sorte de rentrer vraiment dans l'esprit? On se dit vraiment, ah oui, quand on était petit, on voyait les choses plus simplement qu'aujourd'hui. Oui. Et il réussit à re-rentrer dans cet état d'esprit d'enfant. On a même l'impression qu'il est parfois un peu simple d'esprit, alors que c'est juste esprit d'enfant. C'est la vision d'un enfant. Et pour moi, c'est une performance. C'est peut-être l'écriture aussi qui fait ça, mais pour moi, c'est une performance de réussir à re-rentrer dans son âme d'enfant. Je sais pas si tout le monde aimerait ce livre, mais en fait, c'est vraiment... C'est comme une chanson. On se laisse porter. Voilà, on se laisse... Vous avez compris. À lire. Précipitez-vous sur le Patrick Chamoiseau. Je pense que personne ne contredira ces demoiselles ce soir. Qui ose. Voilà, donc Enfance créole et le tome 2 aussi, évidemment. Il y en a 3. Il y en a 3 tomes sur l'enfance créole. Donc, précipitez-vous, Patrick Chamoiseau. Une enfance créole. Je vais parler rapidement du Alice Andamé que j'ai pas sur la table, j'ai dû l'abandonner dans mon coffre de voiture. Et ensuite on finira avec le bâtiment A. Alice Andamé. Je suis sûr d'avoir lu, pas bien, donc vous allez devoir me faire confiance, faire confiance à mon avis. Alice Andamé a écrit un livre, C'est demain qu'on se fait la malle, qui est, ce qui m'est venu en tête, c'est American History X pour les 15 ans, en très éduqué. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'histoire dans un lycée d'une jeune fille d'origine gabonaise, dont les parents ont plutôt des bonnes situations sociales. Donc là, on n'est pas sur un rapport social, quoique. Donc les parents sont plutôt des intellectuels, plutôt confortablement installés dans la vie. Et donc elle est en Europe, on ne précise pas la ville, mais dans sa classe, il y a des gens qui sont plutôt racistes, il y a des gens qui sont des skinheads, et donc ça se mélange comme ça, des skinheads, ils ont 15-14 ans. Skinheads. Enfin, skinheads, je veux dire des gens qui sont... Voilà, ça veut bastonner les Noirs et les Arabes et tout ça, mais ils sont dans la même classe. Ah, on est en France? Oui, mais c'est jamais dit, on est en Europe, on est en Europe. Là, on est en Europe, on est dans un environnement occidental. D'accord. Et à un moment, le skinhead et la gabonaise, ils sont amoureux.
Et donc, elle tombe amoureuse du skinhead et le skinhead. Et donc, on voit le rapport. Donc, lui qui tombe amoureux, qui est obligé de qui commence à essayer de, déjà qui se laisse pousser les cheveux parce qu'il a la boule à zéro du moins bon skinhead et qui se laisse pousser les cheveux et qui rougit parce qu'elle lui dit ah tu es mieux comme ça. Et donc c'est une espèce d'amourette. Évidemment, elle, son frère, sa famille, mais il n'est pas question que tu sortes avec un skinhead, qui a quand même à son palmarès quelques ratonnages. Et lui, évidemment, qui se fait, une fois que les gens le savent, parce qu'au départ, c'est en cachette, qui se fait totalement exclure par rapport à ses amis, sa famille, parce que là, il a un beau-père qui l'a vraiment qui lui a mis dans la tête un certain nombre de choses. Et donc, il y a ce rapport-là. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas spécialement manichéen parce qu'il y a des moments, il sort des propos mais ces Arabes, ils sont quoi, comment ils sont dans les... Et elle est choquée, évidemment. Elle dit, mais attends, tu sors avec du noir et tu tiens des. Parce qu'il a été éduqué là-dedans. Il a une espèce de lavage de cerveau qui fait que c'est pas un livre où du jour au lendemain, ça devient un bisounours, quoi. Donc, c'est cette petite histoire d'amour entre ces deux-là, entre elle qui découvre les choses, qui découvre les États-Unis, qui découvre le rapport entre. Son correspondant, puisqu'elle a une correspondante aux États-Unis qui est noire, et quand elle va là-bas, elle voit le rapport entre les noirs et les blancs, qui comment ça se passe là-bas, et ou pour les noirs américaines, à un moment, elle demande à sa correspondante est-ce que tu m'as choisi, puisqu'on envoie les photos de classe, et ensuite les gens choisissent avec qui je vais correspondre. Elle lui dit mais est-ce que tu m'as choisi parce que j'étais noire ? Elle n'ose pas te demander, elle lui demande, et l'américaine qui dit évidemment. Pour elle, c'est d'une évidence que oui, c'est parce qu'on est noir que je te choisis, sinon j'aurais pas. Et donc il y a ce rapport là et honnêtement je l'ai mis sur mon profil, donnez-le à des ados. C'est peut-être que les adultes trouveront ça un peu gnagnon, et encore moi franchement je l'ai lu, je l'ai pas trouvé gnagnon du tout. Je trouve que même l'écriture elle est faite pour des ados, elle est faite pour des gamins qui savent lire, qui sont entre 12 ans et 18 ans et plus évidemment. Mais donnez-le à des ados, c'est un super petit bouquin avec une jolie histoire, avec des bons sentiments évidemment. Et justement, si à 14 ans on ne lit pas des choses qui ont des bons sentiments, faut lire des choses qui ont des bons sentiments. Donc le message c'est quoi, aimez-vous Non, le message n'est pas aussi simple que ça, justement. Même sur la fin, le message n'est pas aussi simple que ça. C'est pas manichéen, c'est pas le skinhead qui, du jour au lendemain, devient un bisounours. Donc, c'est pas manichéen, et honnêtement, je trouve que c'est la littérature pour ados, de jeunesse, et c'est très bien. Ces derniers temps, j'ai eu des auteurs gabonais que j'ai un peu égratignés. Mais là, pour le coup, franchement, allez-y, lisez-la. J'ai trouvé ça très bien comme littérature jeunesse. Imaginez-vous c'est de la littérature jeunesse. Moi, j'ai pas fait attention. C'est vraiment le lisant. Au départ, je me disais, c'est quoi ça et tout. Et après, simplement, le lisant, je me suis dit, ouais, ça c'est. J'avais pas besoin qu'on me dise que c'est de la littérature jeunesse, mais tout de suite. Je l'aurais conseillé à un ado, à un truc. Donc c'est vraiment, il est bien. Franchement, Alice, il est bien. Imaginez-vous la couverture, parce que je n'ai pas là sur la table, dommage, mais allez-y, précipitez-vous là-dessus. La couverture, c'est gabonaise. une main noire et une main blanche qui se tiennent. Ouais. D'origine gabonaise, et j'ai trouvé ça très très bien. Très, très bien. On va finir rapidement, et pour pouvoir recevoir mon ami Mandong, qui nous résume rapidement les quatre personnages du bâtiment A. Alors, le bâtiment A de Marianne Foningoulé, ça parle, c'est toujours autour de la vie étudiante. Donc, le bâtiment A se trouve dans une cité universitaire en France. On la nomme pas. Il y a quatre. Ils sont à Limoges. Ah, il le dira. Ils sont à Limoges. Ils sont à Limoges parce que je connais, parce qu'il y a quelques descriptions là-dedans qui me rappellent des choses. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, on la nomme pas. C'est une cité universitaire. Bah, si, à un moment, je pense qu'il le dit clairement. Il y a quatre personnages dedans. Donc, Sekou la débrouille. Alors, ils ont tous des petits surnoms un peu atypiques. Il y a Sekou la débrouille. Il y a Momo l'ancien. Il y a Mademoiselle Anka. Et il n'y en a que trois. C'est PH. Ah, et PH. En effet, le président PH, l'emblématique PH. Bien, oui. Alors, ça parle de leurs histoires, c'est un roman. Ça se présente comme des nouvelles, en effet, comme il disait tout à l'heure, mais c'est plutôt un roman.
Et la vie des quatre personnages s'entrecoupe en fait. Et en lisant le roman, on se rend compte que chaque personnage a une empreinte quand même assez importante dans la vie des autres. Alors le premier personnage, c'est tout, c'est un étudiant africain, classique, qui aime bien la bonne chère, aime bien s'habiller, qui arrive en cité, qui découvre l'univers de cité universitaire et qui essaye un peu de s'en sortir, qui tire un peu le diable par la queue de temps en temps, qui ne sait pas trop gérer son argent, qui espère une bourse, et bon, la bourse, il la tire également par la queue. Donc ça raconte un peu ses mésaventures universitaires. Et puis au fur et à mesure qu'on lit le livre, en fait, ça prend un peu plus d'épaisseur. On rentre sur un personnage, président PH, qui est présenté comme un fils de bourgeois, en fait, avec tout l'attirail. Qui se présente lui-même comme étant... Voilà, qui se présente comme un fils... on parle un peu du Gabon ce soir. Un fils d'un illustre ministre gabonais. Illégitime. Et au fur et à mesure qu'on lit l'histoire, en fait, au début, on se dit que c'est sans surprise. Et puis, en fait, au fur et à mesure qu'on lit le livre, on se rend compte qu'il y a pas mal de belles choses. Alors, c'est difficile d'en parler sans raconter. Voilà. Donc, les quatre portraits, c'est vraiment des personnages particuliers à chaque fois, chacun avec son histoire. Voilà. Et bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué de commencer à en parler et en faire perdre la surprise de la chose. Mais bon, PH, père gabonais, qui a une souffrance par rapport au fait qu'il est illégitime. Il y a Momo l'Ancien, d'origine algérienne, de père pied noir. Arki. Et qui est l'éternel étudiant. Qui a un problème identitaire, qui tient les murs de l'université. Il y a Mademoiselle Anka, la cuisse légère de service, qui sert de hot dog à tout le monde dans le bâtiment. C'est pour ça qu'on l'a surnommé comme ça. Voilà, mais c'est pas aussi lisse que ça. Voilà, et il raconte plein de choses qui rappelleront des choses à des anciens étudiants. Comme dans le bâtiment A, il y a ce qu'on appelle les fantômes. Oui. Donc en fait, quand il fait froid, l'hiver, il faut aller frapper à la porte des filles. Ah, je cherche du sel. Et avec un peu de chance, on vous laisse rentrer. Et donc, on se dépanne comme ça. Et donc, Mademoiselle Anka, c'est une des personnes qui ouvre le plus souvent sa porte. Et qui sert souvent de dessert. Et donc, il y a des petits... Donc, il y a une vie autour du bâtiment A. Il y a plein de choses qui se passent autour du bâtiment A. J'ai commencé à le lire. J'ai un petit a priori, parce que le premier personnage, c'est Kou. C'était classique. C'est vrai qu'il a un parcours, il a ses propres difficultés, mais je trouvais pas ça très prenant. Mais c'est vrai que pour le coup, plus on va, plus les personnages prennent en densité et plus ils ont des vrais problèmes, enfin ils ont une vraie personnalité avec des vraies problématiques. Et honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, surtout parce qu'en fait j'ai découvert un style. Alors ça m'a amusé parce que ça m'a un peu fait penser à Mamadou Mabondongo. Il y a quelques petites choses qui m'ont fait penser à ça, notamment la réflexion binaire, parce que à l'intérieur il utilise beaucoup de choses qui font un peu référence à l'ordinateur quand il parle de la vie et tout ça. Le style est particulier, je pense que c'est quelqu'un, si la personne continue à écrire, elle peut imposer sa marque. Je pense que Maria a encore un peu, parce que là pour le coup je viens relier à l'Armaton. Il est en auto-édition, il se débrouille tout seul dans son coin, il s'auto-corrige, il fait le boulot, il fait tout seul dans le coin. Et honnêtement, je prêche un peu pour ma paroisse, mais ça donne quelque chose de... Je pense qu'il aurait eu un peu d'aide, il aurait peut-être donné un peu plus de densité à ses coups, le premier personnage, mais le reste, honnêtement, c'est très très bien. Je suis un peu jugé parti parce que, et je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit heureusement que ton livre m'a plu parce que j'aurais été obligé de le déglinguer et ça m'aurait fait mal pour toi, mais j'aurais été obligé de dire ce que j'en pense. Mais je le dis vraiment sans réticence. Sans parti pris, oui. Il est bien. Il est vraiment, vraiment bien. Donc précipitez-vous sur le bâtiment A. Donc, on l'avait reçu au mois de juin dernier pour ça, pour Escale. Et je me rappelle justement à l'époque, on lui avait dit, c'était à peu près tous, on avait à peu près le même sentiment, c'était il y a trois nouvelles là-dedans. On avait élu 2 sur 3.
À peu près tous, on était d'accord là-dessus. Et je pense qu'entre celui-là et celui-là, on voit déjà que ça, il y a une évolution. Ça gagne encore plus en densité. On rentre un peu, on fouille un peu plus les personnages, on leur donne une vraie densité. Très bonne pioche, ce bâtiment des Maria Fonengombe. Donc, voilà. On a fait le tour. Sachant qu'évidemment, sur tout ce qui concerne la vie scolaire, la vie étudiante, il y a plein de choses. On avait chroniqué ça il y a quelques mois, l'exil de Dalkan, qui là aussi, avec des problématiques différentes, mais on est dans les études, on est dans les étudiants. On avait chroniqué ça, donc n'hésitez pas à lire l'exil de Dalkan. J'en avais un autre que j'ai pas emmené, qui tournait aussi autour de la vie étudiante et tout, mais de toutes les façons, ça, il y en a beaucoup. Hein, de livres qui, d'une manière générale, parlent. De l'étudiant noir. Oui, de l'étudiant noir, oui, de l'étudiant noir. Non, ah oui, le livre. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas, lisez-les. N'hésitez pas à venir nous dire sur le mur du groupe que j'étais plutôt d'accord avec Aurore, plutôt pas d'accord avec Joss, même si je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Donc, n'hésitez pas à lire les livres que nous avons présentés ce soir. Nous allons recevoir notre artiste par la voix de ce soir. Quoi ? Bienvenue au Palabre. Alors, on a tous lu votre livre avec beaucoup d'intérêt, Remington. On va quand même en parler un petit peu avant de cuisiner l'auteur. Hein. Donc, Remington, c'est l'histoire de Juan Manuel, Miguel Juan Manuel, qui est un critique de rock. Il travaille dans un magazine qui s'appelle Remington, qui porte donc le titre du livre. Alors, Miguel raconte sa vie. Il vient d'avoir 40 ans. Et ça débute par la 40, soirée. 41 ans. Ah oui, et voilà, c'est le soir de son anniversaire, c'est 41 ans. Et il remonte un peu le fil de sa vie. Alors, au passage, il parle de sa famille, qui n'est pas toute lisse. Hein. Il a un grand-père qui est, qu'on appelle l'ogre d'ailleurs dans le livre, qui est un grand peintre, très connu. Son père est psychanalyste, psychiatre, donc voilà. Et lui, il est critique littéraire et il a un frère homosexuel. Donc il a une famille un peu particulière. Et sa mère, elle est décédée. Et avant d'être morte, elle était folle dans un asile. J'ai bien résumé ? Bien résumé, mais le frère est tout simplement homosexuel, c'est ça ? Oui, c'est de son homosexualité. Voilà. Et en fait, il parle de sa vie, de son anniversaire. Il fait un peu une rétrospective sur tout ce qu'il a pu voir en ses 41 années d'existence. Et il en profite pour donner un peu son regard sur le monde, de la critique déjà, sur le monde, l'univers rock, beaucoup, et sur toutes les nouveautés du monde. Alors ça va des années 60 à nos jours, donc il y a pas mal de choses à dire. Il a un regard plutôt acide, à la fois déluré, à la fois lucide, et donc on va en parler avec Mamadou ce soir. Alors, ma première question, je me demandais déjà en lisant ce livre, il faut savoir que le livre, en fait, chaque petite page, il y a un titre de chanson. Donc, le livre est tout en musique. Et je me suis demandé, c'est écrit un peu comme une scène de film, comme des scènes de film, un peu. Chaque page, on pourrait se la représenter avec une musique de fond sonore. Pourquoi ce choix ? C'est justement tout le propos du livre. Vous l'avez très bien lu. Et ce que vous avez ressenti, c'était vraiment l'effet rechercher. Ce que je voulais avec Remington, c'était un moment de ma vie où je venais aussi d'avoir 41 ans. Je voulais faire un bilan de cette génération RCDL, celle qui est née dans les années 60-70, comme je l'ai souvent dit. Mais c'est surtout, comme vous l'avez lu, c'est aussi le récit par le biais de la musique d'une génération. Donc pourquoi les scènes se sont construites comme ça ? Ça veut dire un titre, une scène. Ou parfois même, c'est une scène, un titre. Parce que la musique est chez lui un processus de résilience. C'est la musique qui pense ses plaies, qui compense comme vous. Je ne sais pas, vous avez certainement une musique en tête pour évoquer un rapport amoureux ou quelqu'un qui vous a fait du mal, ou alors un beau souvenir, vous avez une musique qui vous revient, ou un film. Et dans le cas de Miguel, c'est vraiment la musique. Et c'est vrai que la grande difficulté que j'ai eue à écrire ce livre,
c'est aussi à trouver les musiques qui vont avec le texte, pas dans la caractérisation du personnage. C'est un des éléments les plus difficiles quand vous êtes écrivain, c'est de donner une impression de crédibilité au personnage. Et souvent dans la littérature française, le problème à l'inverse de la littérature américaine, qui est surtout une littérature faite entre guillemets par des journalistes ou de grands professionnels, c'est que les personnages dans le cinéma, même dans le cinéma américain, les personnages sont crédibles. Un mercenaire a une gueule de mercenaire. En France, un mercenaire a souvent le gueule d'un gendarme de province. Donc, de temps en temps, c'est pas très crédible. Et en littérature, on a ce même problème. Souvent, je lis des livres parce que j'ai la chance de faire partie du prix Senghor, donc je reçois beaucoup de livres. Il y a quelque chose qui m'horripile à chaque fois, c'est que ce sont des livres qui sont censés parler de personnes, comme vous l'avez très bien dit, sur dans le couloir du campus. C'est quelqu'un qui parle de choses qu'il connaît ou qui, même s'il ne connaît pas, il donne une certaine épaisseur à ce qu'il essaye de connaître. Ça veut dire, ça s'appelle la suspension d'incrédibilité. C'est, on va enquêter, ou on va rencontrer des gens avec qui on va discuter, qui vont vous enrichir, vous donner des domaines que vous ne connaissez pas. Comme moi, dans le cadre Hamilton, la musique, je la fréquentais, mais être critique rock, j'ai dû me documenter, discuter avec mes amis journalistes pour donner une certaine épaisseur au personnage. Tout ça pour vous dire, pour revenir à ce que je disais, par rapport à la structure du personnage et à la structure de la musique, c'est que Miguel, vu son âge, vu son milieu et vu son parcours, aimait des musiques que je n'aimais pas. Mais à un moment donné, est-ce que le plus important, est-ce que c'est l'écrivain qui se fait plaisir ou l'écrivain qui fait plaisir au lecteur, qui donne corps. Plus encore, c'est donner corps au personnage. Donc voilà, donc il a fallu qu'à un moment donné, la partie la plus difficile aussi, comme je vous le disais, c'est vraiment la musique. Parce que j'ai écouté des heures de musique. Par moment, je voulais mettre une musique, mais qui ne correspondait pas du tout à la situation au personnage. Et donc voilà. Alors, donc, vous venez de répondre à une de mes questions. C'est pas la compile de vos morceaux préférés. Non, c'est pas. Parce qu'à un moment donné, je me suis posé la question. Alors, j'ai fait la curiosité sur le conseil de Réassi, qui a déjà eu le plaisir de recevoir Mamadou dans son émission Les Lectures de Gangwef. Un petit coup de promo. Donc, je disais, il m'avait dit de lire le livre en écoutant la bande musicale. Alors, ce qui s'avait passé, c'est que j'avais déjà commencé à le faire en lisant sa critique, et je suis tombée notamment sur un super morceau de Jimi Hendrix, qui est terrible, que je ne connaissais pas en plus. Et même si je suis à moitié rock, il y a certains morceaux, je les écoutais, je me disais, mais comment on peut aimer ça? En lisant la scène, en fait, je comprenais tout à fait l'univers psychédélique dans lequel il voulait nous plonger. Il a un colocataire qui est shooté en permanence, qui part complètement en live. Et les morceaux collent un peu à la personnalité de Dario. Alors, par contre, il y a un truc qui me surprend. Octave. Personne. C'est mon personnage préféré, Octave. C'est le chat. Oui, c'est le chat. Oui. Mais au départ, vous en parlez pas une personne. Mais oui, mais c'est ça. On le dit que c'est un colocataire. Bizarrement, enfin, les premiers. On sentait que le Octave, il y avait un truc. Il en parlait trop bien. Il a trop présenté. Il dit que. Il y a une scène qui m'a marquée. Il arrive chez lui, il se rend compte que son colocataire est de retour, et puis il se dit, oh là là, je supporte pas qu'il soit là parce qu'il influence mon deuxième colocataire qui est accro au shit, et quand il sent l'odeur, il se shoot en fait. Donc forcément, on se dit que c'est une personne, et puis en fait, on se rend compte que c'est un chat qui est accro au shit. Ah oui, j'ai connu ça. J'ai eu un chat qui était accro au shit. Vraiment, et on devait le sevrer, l'accompagner, c'est limite s'il n'était pas dans un groupe de paroles à un moment. Moi, tu sais, j'ai des questions parce que j'ai quelques questions. Enfin, déjà, je tiens à dire que j'ai pas du tout lu le livre comme je pense. Je me doutais bien qu'il fallait écouter les musiques en fait. Sauf que moi, j'aime bien me réapproprier un livre, donc j'ai pas écouté les musiques. Et du coup, j'ai un peu occulté la musique, j'ai un peu occulté les titres. Parce que enfin, moi, j'aime me réapproprier un livre, donc je me suis réappropriée votre livre, désolée. Et par contre, moi. C'est pas du tout une critique, c'est une question. J'ai un peu de mal avec les livres qui sont trop situés dans le temps. J'ai un peu de mal avec un livre qui me donne des dates, des heures, des moments précis, des moments comme ça. On est là avant la Coupe du Monde, on est là à tel moment. Et parce que pour moi, un livre doit. Enfin, c'est un avis totalement personnel. Un livre doit perdurer dans le temps, en fait. J'ai pas envie d'avoir l'impression d'être figée dans une époque. Donc je me suis dit, c'est fait exprès. Et je me suis demandé, donc, pourquoi c'est fait exprès? Parce que justement, la recherche.
c'est pas les lecteurs d'aujourd'hui que je veux, moi. C'est les lecteurs de demain. Ouais. Oui, c'est ce que j'avais compris. J'ai cette prétention d'avoir une œuvre qui s'inscrit dans le temps. Et pourquoi la chronologie est extrêmement importante? Parce qu'il fallait que ça se passe pendant la Coupe du Monde, pour le personnage, et aussi pour Dario, qui, lui, est fou de vélo. Je supporte pas les cyclistes. Je supporte pas la tenue. Surtout la tenue, et fluo. Donc, c'est extrêmement important. Comme je vous le disais au départ, la suspension de crédibilité, c'est situer le personnage. De quoi je parle? Pourquoi je situe autant dans le temps? Parce que ça me permet de parler du grand-père, de remonter 70 ans en arrière, ça veut dire à la guerre d'Espagne. Pour que le personnage, pour que la situation, vous, ce que vous avez semblé entre guillemets insupportable, non, pas insupportable, mais ça, gênant ça, dans votre lecture, et c'est ce point d'ancrage qui vous fixe dans le temps, qui vous permet de situer les différents fragments qu'il y a. Par exemple, le grand-père, c'est la guerre d'Espagne, vous avez le père qui a été... Rien que par rapport à l'histoire des homosexuels, dans les années 80, l'homosexualité, c'était considéré comme une maladie pathologique. Si je n'avais pas situé ça dans un temps X, vous ne pouvez pas vous dire qu'il y a 20 ans, 10 ans, là, la situation en 2005, parce qu'ils sont espagnols, les homosexuels peuvent se marier et même adopter en Espagne, qui est un pays plus catholique, on ne trouve pas, où on kidnappait des enfants de gauchistes pour les donner à leurs tortionnaires. Mais rendez-vous compte de l'évolution de cette société. En l'espace de 60 ans, tout ce qu'il y a eu comme bouleversement. Et par rapport au frère, qui est dans 63, donc au moment où, dans le livre, il a à peu près 47 ans, en l'espace de 25 ans, son militantisme a permis, lui et d'autres, d'avoir cette évolution. Il y a aussi le problème, excusez-moi d'être un peu long, du sida. Si je n'avais pas situé que le sida est pour quelqu'un comme Miguel qui est né dans les années 70, moi j'ai eu ce problème-là, ma sexualité a commencé au moment où on pouvait en mourir. Mais rendez-vous compte de l'horreur. Et donc, il fallait situer tout cela. Je comprends, mais il fallait situer parce qu'il y a d'autres livres qu'on trouve, peu importe que ce soit des livres africains ou pas, il y a d'autres livres, on se situe bien à peu près à l'époque, mais en fait, j'aime bien, enfin, c'est totalement personnel, subjectif, je situe bien à peu près l'époque où l'auteur veut nous amener. Parfois, il y a des livres qui sont écrits en 2010, 2012, qui racontent des choses qui sont passées à 10 ans, 15 ans ou 20 ans. On sait bien que ça s'est passé à 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'a pas besoin de nous le dire. Non, mais là, c'était particulier. Je comprends. Je comprends. Essayer de. Non, mais je ne suis pas en train de dire. Non, mais je sais bien. Non, mais n'oubliez pas que c'est quand même le récit d'une vie. Voilà, c'est ça. Et d'une époque surtout, c'est ça. Justement, c'est ça que je suis en train de dire, que moi, en tant qu'actrice, je n'ai pas besoin qu'on me situe en 2010, parce qu'on est en 2010. J'ai pas besoin qu'on me situe en 2010. Mais c'est parce que tu te projettes pas dans le temps. Pour quelqu'un qui va lire le livre dans 30 ans, quand tu lis Victor Hugo, il va avoir besoin de repères. Quand tu lis Victor Hugo, t'as pas besoin de savoir que c'était en 1800 et quelques. C'est un roman générationnel. Donc il fallait le situer. Il est né en 70, son frère est né en 63, Dario est né en 1980, à peu près. Donc il fallait. En plus, Dario, il est né dans une année pisestite, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que le temps chronologique est un élément intrinsèque à ce roman. À l'inverse de mes autres livres, c'est vrai que, néanmoins, c'est vrai, structurer un livre, c'est quelque chose qui permet au lecteur, c'est pas parce que vous délimitez un espace que vous vous limitez, à la fois en tant qu'écrivain, mais en tant que lecteur. Donc vous avez fait abstraction à la fois, mais des titres musicaux, l'important c'est le texte, et merci pour certains... J'ai fait abstraction parce que... Abstraction des dates, mais c'est extrêmement important. Le plus important, en tant qu'auteur, c'est que vous vous réappropriez un livre. Moi, quand je serai plus là pour le défendre, les gens diront il y a ça qui fait, ça qui ne fait pas, mais néanmoins, le plus important, c'est qu'il est lu. Par contre, j'avais une question, parce qu'il y a quelque chose qui m'a intrigué. L'auteur, non, le personnage principal, il est donc le jour de ses 41 ans, il a 41 ans, il est des années 70, et vous remontez sur toute une période avant, vous allez sur toute une période après, mais est-ce que vous n'êtes pas dit qu'à un moment donné, l'âge de l'auteur peut poser problème et exclure une partie de votre lectorat parce qu'il a vraiment des repères très ancrés, sa culture est très particulière, il faut rentrer dans son univers. Je suis des années 70, mais plutôt vers le bas. Alors, du coup, il y a beaucoup de repères
qui m'ont un peu perturbée. J'étais un peu décalée, en fait, parce qu'il y a des choses que je connaissais, dont j'ai entendu parler, mais ça fait vraiment beaucoup travailler, en fait. On se tout à l'heure. C'est essentiel. Mon lecteur est extrêmement intelligent. Mentalement, tu dois retrouver des repères, même au niveau de la musique. Franchement, c'est très rare que ça m'arrive, mais je me suis sentie inculte. C'est très rare, mais tout le temps j'étais. Pas moi parce que j'ai fait abstraction. Oui, c'est vrai. Au niveau de la musique, il y a beaucoup de musique et pourtant on aime le jazz, c'est assez commun, etc. Mais il y a beaucoup de références sur lesquelles j'ai dû prendre des notes ou chercher. Au moins, un bon livre, c'est ça. C'est un livre qui vous, à la fois, vous suscite une émotion, vous permet de réfléchir, de vous questionner, de vous heurter ou au contraire, que vous puissiez vous l'approprier. Et une chose extrêmement importante concernant ce personnage, pourquoi je l'ai autant situé dans quelque chose de très générationnel, de très marqué, par exemple les BlackBerry, les iPhones. Je prenais le train parce que je vis entre Amsterdam et Drancy, et une dame me disait, vous savez, aujourd'hui avec un iPhone, vous laissez votre iPhone, vous faites ça, vous avez une vie prête à l'emploi. Vous savez tout de quelqu'un. Il y a 15 ans, les téléphones, c'était des télécommandes. Vous le laissiez, déjà, vous ne pouviez pas le perdre parce que ça vous flinguait dans vos poches. Et deuxièmement, à part avoir le summum, vous aviez un écran couleur. Aujourd'hui, vous avez à la fois l'écran, vous avez la télévision, vous pouvez payer les factures avec, vous pouvez ouvrir une porte avec. C'est extraordinaire. Et donc, il fallait, ce personnage, en 1970, voir l'évolution technique. Moi, je l'ai vraiment vécu. C'est les téléphones qui sont complètement nazes, où on appuyait. Et aujourd'hui, avec les iPhones, c'est hallucinant. Et pareil avec les MacBooks. Un Mac, aujourd'hui, c'est un projet de civilisation, avoir un Mac. Moi, vraiment être avec un Mac, le iPad, des choses comme ça, Steve Jobs a vraiment changé notre façon de vivre avec l'outil informatique. C'est la dictature de la pomme. Oui, indéniablement. Moi, j'ai une question sur le style. J'ai une question sur le style, en fait, parce qu'il y a très peu de points dans votre roman. Il y a beaucoup de virgules, beaucoup de points-virgules. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a l'impression d'écouter une musique en lisant. Moi, j'ai moins lu comme un film qu'écouter comme une musique, en fait. Il m'arrivait même à des moments de m'arrêter et puis d'essayer de reproduire des expressions. Parce que la manière dont c'est écrit, en fait, des fois, ça part un peu en... On a l'impression que c'est un désordre, mais en même temps, on retourne toujours sur ses pattes. Moi, je trouve que ça reste assez... avec le personnage. Oui, exactement. Voilà. Ce qu'il faut pour ce personnage. Est-ce que c'était un choix par rapport au personnage? Est-ce que c'est les musiques qui vous ont influencé dans ce sens-là? Mais c'est ce que je vous disais en introduction, et comme vous l'avez évoqué à propos des éditeurs. Il y a une chose extrêmement importante, c'est que quand vous écrivez un livre, par exemple, rien que le nom du personnage, le livre commence avec le nom du personnage. Miguel Juan Manuel. Il faut savoir que Juan Manuel, c'est un prénom commun en Espagne. Ça veut dire Martin ou Mamadou en Afrique, un prénom. Miguel Juan Manuel. Déjà, rien qu'avec cette musicalité, vous avez situé à peu près le personnage. Pourquoi cette écriture-là, ce fragment, tout ça, ça collait au personnage? Et je voulais aussi que ça se situe en une seule journée. C'est pour ça que le livre est dense. Je voulais qu'on ait l'impression du temps qui passe, de quelqu'un qui vient d'avoir 41 ans, de quelqu'un qui a été plutôt narcissique, insouciant, et qu'il arrive à un moment donné de sa vie où il se pose une question, parce qu'il arrive à 40 ans, il s'est dit, bon, mes histoires d'amour, qu'est-ce que c'est? J'ai pas réussi à construire. C'est ça, c'est quelque chose. Voilà, vous avez une scène assez drôle où la nana lui se dit, ouais, oh, je comprends le problème que t'as, pourquoi elle se bat. On va pas déflorer l'histoire. Mais néanmoins, il y a quelque chose d'extrêmement important dans ce personnage-là. Il fallait que je le situe, comme vous l'avez très bien résumé au départ. Il y a son grand-père qui s'appelle Laure, peintre. Donc, je me suis inspiré de Picasso. Il y a ce père qui est psychanalyste. Là, je me suis à la fois inspiré de Freud, mais surtout de Lacan. C'est le fêté des jeux de mots. D'accord. Et le frère qui est né 7 ans avant, qui est né en 63, qui est militant homosexuel. Il y a aussi la mère en filigrane. Il faut savoir que les femmes nées dans les années 40 ou 30 n'ont pas eu les mêmes vies que nous qui sommes nés dans les années 70. C'est pour ça qu'on en parle très peu de la mère. Ben oui, justement, on en parle très peu parce que ces femmes-là étaient nées, elles étaient face, elles obéissaient à leur père, elles obéissaient à leur frère, puis à leur mari, et ainsi de suite. Paradoxalement, vous parlez pas beaucoup de la mère.
Mais vous parlez que de femmes. Je parle. Bon. J'exagère. Non, non, mais c'est vrai. Non, non, les femmes sont extrêmement importantes. Mais parce que sa mère, la relation qu'il a eue, il a vu sa mère se faire aliéner, détruire par son père. Et il dit à un moment très juste, il dit quelque chose. Mon père était psychanalyste, donc quelqu'un d'intelligent. Il se dit, mais mon Dieu, l'intelligence, ce n'est pas quelque chose qui vous sauve de l'obscurantisme. Au contraire, ça vous nourrit. Parce qu'il y a, beaucoup de théologiens qui sont instruits, mais le rôle de la femme est toujours subalterne. Et qu'importe la culture. D'accord. Et je me demandais, c'est quand même vachement ambitieux d'avoir choisi un personnage principal en Europe, en Espagne, même si j'ai compris tout à l'heure que votre choix était réfléchi. Mais si on veut rester dans le cliché, on se serait dit, vous auriez pris un personnage, soit déjà, même au niveau de la couleur, soit pas lui donner une couleur, ou lui donner une teinture un peu plus familière. Là, l'histoire de Miguel, elle est quand même... c'est un bourgeois, c'est un enfant de bourgeois, c'est une grande famille, aristocrate, non, pas il est, trop, mais... Il est juste... Oui, c'est un grand bourgeois. Très bourgeois, son grand-père, ancien franquiste, voilà. Anti-franquiste. Oui, mais vous travaillez. J'ai dû chercher dans mes références, mais voilà, je veux dire, pourquoi ce personnage aussi épais Vous prenez mon précédent roman... La géométrie des variables, vous ne l'avez pas vu. C'est non. Le premier de vous. Vous, avec un peu de chance, j'espère que je vous aurai donné le plaisir ou la curiosité, au moins de feuilleter. C'est fait. Dans la géométrie des variables, vous avez deux personnages extrêmement importants. Vous avez Pierre-Alexis de Bainville, qui a une cinquantaine d'années, qui est l'aristocrate français, qui est comte de son état, qui est communicant. La géométrie des variables se passe dans le monde des communicants. C'est l'histoire de comment on construit une campagne électorale. Il y a deux personnages, donc Pierre-Alexis de Bainville et il y a Daour Tambéi, qui est peu, qui est un peu comme moi, qui est d'origine noble, qui est cultivé comme Pierre-Alexis de Bainville. Donc, vous savez, donc, mes personnages me ressemblent un peu, mais néanmoins, de temps en temps, j'aime me transcender. Et il se trouve que Miguel Juan Manuel, la problématique que j'avais, c'est que je me suis dit, mais pourquoi mon personnage devrait être forcément noir si je suis noir? Et je raconte cette anecdote d'une de mes amies qui me disait, tu sais, Mamadou, quand j'ai un roman et quand on ne me dit pas que le personnage est noir, pour moi, il est forcément blanc. Et là, j'étais assez abasourdi. Je me suis dit, mais au nom de quoi on devrait avoir la couleur de son nom, de son écriture? Moi, le Miguel Juan Manuel, ce que je voulais parler, c'était de l'Europe. Dans mon précédent livre, La géométrie des variables, je parlais de la place du noir dans la société américaine, de l'esclavage du Mayflower, en passant par l'esclavage, la ségrégation, en arrivant à Barack Obama. Ce livre a eu un certain écho, et si on La géométrie des variables. L'a évoqué. Et donc, pour mon prochain livre, je m'étais dit, tiens, je vais aller ailleurs, je vais plus me poser en Europe, je vais plus me poser aux États-Unis ou en Afrique, parce que dans la géométrie des variables, je parle aussi de l'histoire du Liberia, donc extrêmement intéressant, le Liberia. Oui, tout à fait. Et donc, Hamilton, je me suis dit, voilà, Miguel Juan Manuel, il va avoir le même âge que moi, il va à peu près faire partie du même milieu que moi, même si on est très différents, lui il est bourgeois, moi je suis noble, lui il est critique, moi je suis écrivain. Lui, il est blanc, moi, je suis noir. Donc, mais néanmoins, on a à peu près la même vie. Ça veut dire qu'on fréquente plutôt un milieu privilégié, intellectuel, cultivé, multiculturel. C'est une richesse. Et ce qui fait que, voilà. Et autre élément extrêmement important, comme je vis en Europe depuis, en France en particulier, depuis que j'ai 5 ans, donc maintenant, ça fait 36 ans, je connais mieux l'Europe que l'Afrique, même si j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont appris la langue peule, de vivre dans ces cultures-là et d'avoir cet héritage-là. Mais néanmoins, ma vie, c'est ici. Et je parle de ce que je connais un peu. Et ce que je connais, c'est que mes amis qui ont entre 30 et 50 ans ont des problèmes de couple, ont des problèmes, ils n'arrivent pas à s'assumer, ils ont aussi des problèmes d'Européens, je veux dire, ils n'ont pas ce problème campus, la débrouille. Ils ne connaissent pas ça. Et donc, je voulais aussi parler de cette réalité, mais d'une autre forme de précarité, le fait est de cumuler les stages, le fait est que quand vous êtes jeune, vous n'avez pas rapport à l'appartement, vous n'avez pas... Il y a une réalité économique aussi et sociale ici. Donc, c'est tout cela que je voulais parler par le prisme de ce personnage. Et comme vous l'avez noté, je remonte très haut dans les années 30 et je vais aussi très loin dans les années 70. Ce qui me permet, comme je le disais dans une interview récemment,
pour qu'un roman soit générationnel, il doit être transgénérationnel. On doit parler non pas de nos pères, mais aussi parler de la mémoire de nos pères, ça veut dire de nos grands-parents. D'accord. Moi, je tenais à dire que je savais, en lisant le livre, c'est juste une remarque, en lisant le livre, je voyais déjà le genre d'auteur que ça pouvait être. Je me suis tout de suite dit, non, mais je vous ai vu entrer, je me suis dit, c'est lui. Et... c'est une phrase équivoque. Ça fait un peu le blanc chevalier. Non, mais autant sur certains livres, parce que justement, c'est ça qui est passionnant quand on reçoit des auteurs. On a des auteurs et on se demande parfois un peu c'est quoi ils ressentent, qu'est-ce qu'ils pensent, machin. Et en lisant le livre, on voit. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Ce livre est tellement vrai, enfin, il est tellement réaliste sur le coup du réalisme du personnage, c'est totalement à 100% réussi. Et c'était tellement réussi que je me suis dit, non, il y a quelque chose avec l'auteur. Il y aura forcément quelque chose avec l'auteur, un lien entre l'auteur et le personnage. Et en fait, ça dégage. Pour moi, ce livre est tellement. C'est là où vous avez vraiment réussi votre travail, c'est le réalisme du personnage. C'est rare d'avoir des personnages pour lesquels. Vrai. Aussi vrai. Dans une autre époque. Pas dans une autre époque, non, mais. Là où il est situé géographiquement, moi j'étais agréablement surprise en fait. Ouais. Parce que je m'attendais à ce qu'il y ait. Comme Joss disait tout à l'heure, la crédibilité du personnage, même vous, dire, je m'attendais à ce qu'il y ait des petites incohérences, qu'il y ait un endroit où le bas blesse, et pas du tout en fait. C'est, à aucun moment il y a eu une fausse note. Par contre, je me demandais pourquoi le personnage il est aussi féru de mode en fait, et féminine en plus. Hein. Justement. Chloé, le boutin. Justement. Pantalon basse. Pour deux raisons. C'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les femmes, et tout particulièrement sa mère. C'est la grande absente du roman, mais néanmoins, quand vous verrez, il y a vraiment des soubassements, il y a des choses qu'il fait, il y a plusieurs entrées. Vraiment, la mère, c'est quelque chose d'élémentaire chez lui. Et l'autre élément extrêmement important, c'est quelqu'un qui fréquente beaucoup les femmes, mais sa grande histoire d'amour qui est Oumu, la photographe de mode, mais il y a aussi sa compagne Sophie qui, au moment où ils se sont rencontrés, elle faisait la campagne des chaussures Projet Vivien. Oui, tout à fait. Et donc, oui, j'ai beaucoup de copines. Il y a plus de références, Jimmy Chou. Voilà. Ben merci beaucoup, vous ayez remarqué ça, je pensais pas que... Bon, mais c'est bien. À des femmes, on est ça fait partie intégrante. À l'émission, on m'avait dit que c'était un roman très masculin, et moi, je trouvais pas, je trouvais que c'est un personnage c'est vraiment... Non, et en plus, le personnage principal, il a un regard sur les femmes, il les décrit, il les aime, en fait. À la limite, on excuse un petit peu d'être un... Bon, c'est le terme, il est un peu vulgaire, mais que tard. C'est un que tard, il le dit. C'est un autre, il le dit mais de ton côté. On en excuse presque, en fait, parce qu'on sent bien que chaque aventure, elle est un peu unique pour lui. C'est un peu une découverte à chaque fois. Et à chaque fois, il se sent sincèrement attiré par la personne avec qui il est, en fait. Donc, pour moi, c'est un amoureux des femmes. C'est un amoureux des femmes, et il y a aussi quelque chose d'extrêmement important. Je pense aussi qu'il est profondément militant quand il parle de cette religion qu'il cherche à dominer. Sa mère, qu'il a vue, comme je vous le disais. Et surtout, je pense qu'il y a un autre élément qui fait qu'il est très, très particulier, ce personnage de Miguel Juan Manuel. C'est qu'on lui a imposé la virilité. Son grand-père lui a dit « tu seras un homme ». Et ça, j'insiste dessus, de comment il faut aimer le foot. Je déteste le foot. Là, je viens de perdre 300 lecteurs. J'adore le sport. Donc, il faut boire comme un homme, il faut avoir les agissements d'homme. Lui, non. Ce qu'il aime, c'est sa fragilité. Il peut se montrer fragile, et c'est ça qui plaît aussi. C'est pour ça qu'il n'aime pas Daniel Craig, parce qu'il fait trop les biscottos. Non, c'est son côté Poutine, en plus il a un côté... Donc voilà quoi, non, il est... Non, lui, je crois que son James Bond préféré, c'est... Roger Moore, parce qu'il a une sophistication, oui, un humour, une distance, par rapport au côté bourrin, très masculin. Il y a un peu beaucoup de vous dans ce livre, non? Il y a beaucoup de moi et beaucoup de gens que je connais autour de moi. J'ai vraiment fait un audit. Mais ça se sent. Et c'est extrêmement important. Vrai. C'est vraiment un roman vraiment que j'évolue générationnel. Ça veut dire faire un état des lieux d'un moment donné, d'un temps X, de certaines personnes. Et c'est vraiment
J'ai mis 6 ans à l'écrire. Au moment où j'ai pensé, je terminais Remington, la géométrie des barrières, je me suis dit, tiens, bon, maintenant que j'arrive presque à 40 ans, ça serait bien, j'en avais 36, ça allait à l'époque, ça serait bien que je me pose et que je vois à peu près qu'est-ce que je suis devenu par rapport aux engagements, parce que dépassé 30 ans, et en plus j'ai eu la chance d'être édité, j'ai commencé à l'Arnathan. Et détrompez-vous, les meilleurs éditeurs moi, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents éditeurs. Et à l'Armatan, j'en ai eu de très bons. J'ai eu Emmanuel Moisan, Virginie Huro et une dame qui va... Maggie Albet. Dans la collection vraiment... Encre Noire. Oui, dans la collection Encre Noire. Véritablement, j'ai publié... Il doit être à la retraite, alors. L'histoire du texte, le rachat d'une âme, l'errance de son âme. Véritablement, et ces livres ont été bien reçus et ça ne... Aujourd'hui, je suis chez Gallimard. Avant, j'étais au Serpent à Plumes. Il faut savoir que l'éditeur, c'est essentiel. Mais il y a aussi l'écrivain. L'écrivain doit aussi. Je veux dire que quand j'arrive à quelque chose comme Remington ou La Géométrie ou Mounamigou, mes précédents livres comme Elage, déjà, moi, j'ai eu un problème. C'est que justement, comme vous l'avez mentionné, j'ai un nom à consonance africaine, donc à chaque fois j'envoyais un texte, on trouvait ça très trop littéraire pour un Africain. Bah oui. J'ai eu ça dans ma figure. Excusez-moi de vous couper, justement, on se demande ce que ça fait dans Continent Noir. Pas que ce soit une mauvaise édition, mais on se demande vraiment ce que ça fait là. Et moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi vous n'avez pas envoyé ce texte-là en particulier sous un autre nom? Mais non, justement. Mais pourquoi? Pourquoi c'est dans Continent Noir? Justement, chez Gallimard. C'est pour inscrire le paradoxe, non? Ah non, c'est plus simple que ça. C'est que mon éditeur est éditeur, directeur de collection de cette collection, Continent Noir, et la liberté que j'ai au sein de Gallimard, avec un texte comme Remington, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui peuvent l'avoir. Mm-hmm. Et vous prenez par exemple La Blanche, vous avez quelqu'un comme Alain Marocou qui écrit de très jolis romans et il a entièrement cessé sa place. C'est pas tant lié au nom à consonance. Moi, je l'ai vécu au moment où j'ai commencé à publier. Et on a commencé à respirer quand il y a eu des éditions comme le Serpent à Plumes justement qui m'ont édité. Mais pendant des années, quand je voyais un manuscrit, on me rétorquait que non, c'était trop littéraire. Et pourquoi ? L'autre question. Pourquoi les collections de littérature africaine devraient être moins littéraires que les autres collections? C'est pas du tout ce à quoi je voulais amener dans ma question. On va continuer, on débriefera avec Mamadou sur l'autre partie de la soirée, parce qu'il faut qu'on aille sur la troisième partie, mon frère. Et donc justement, le thème d'aujourd'hui, c'était... C'était éducation et vie scolaire. Mmh. Voilà, alors la question qu'on se posait, est-ce que... Tous les échanges qu'on a eus en première partie lors des chroniques, ça vous a rappelé des souvenirs? Je pense que la plupart ont été à la fac, tout le monde a connu la débrouille ou pas. Est-ce que la vie étudiante c'était plutôt une épreuve ou alors plutôt de très bons souvenirs ou alors plus une quête de soi Non, mais justement, moi, ce thème-là, je l'avais mis en avant parce que moi, j'ai fait une partie de la fac, pas à l'amphicissant parce que là-bas, j'étais en touriste, mais à la fac à Dakar, à Cheikh Anta Diop, et ensuite à Orléans, à Pau, à Saragosse. Donc, j'ai vécu différentes vies de fac. Mes souvenirs les plus marquants, c'est Cheikh Anta Diop. Alors, j'ai galéré là-bas, parce que là, pour le coup, vous êtes 800 en première année, vous savez que vous avez 400 places en deuxième année, et ça ne bougera pas, c'est 400 places. Donc vous savez que de toutes les façons, il y aura un tamis. Mais j'ai traversé ma vie étudiante en Europe, je ne m'en rappelle pas. Je me rappelle des boulots, je me rappelle de la manute, mais je ne me rappelle pas De la fac. Je ne me rappelle pas de la fac. Je ne me rappelle pas de la fac en Europe. Je pense que j'ai dû garder 2-3 amis, et encore, de mon année de SS, donc vraiment à la fin. Alors que Cheikh Anta Diop, qui nous on appelait ça le calcio parce que c'était l'école, un peu comme on dit le Mbaré Ngwabi, c'était compliqué, mais j'ai des souvenirs extraordinaires c'est une période que j'ai aimée, pourtant c'est une période où j'ai souffert, mais c'est une période que j'ai aimée. C'est pour ça que je me dis toujours... Bah on a des regards différents, j'ai des collègues qui ont des souvenirs de la fac d'Orléans, je ne me rappelle pas.
C'est peut-être parce que tu es arrivé, si tu arrives en deuxième cycle et que les groupes sont déjà formés, l'intégration quand on arrive en deuxième cycle, elle est pénible parce que les gens ont déjà des parcours, parce que moi j'étais à Montpellier quand je suis arrivé en deuxième cycle, les groupes sont fermés. Donc pour s'intégrer dans ta licence ou dans ton truc, il va falloir avoir des connexions avec les redoublants ou avec ceux qui ont changé de faculté et ainsi de suite. Donc quand il y a des apéros, les soirées apéros, c'est difficile. C'est, alors qu'effectivement, moi, à Abidjan, par exemple, ou à Mariangouabi, Mariangouabi, c'est la découverte parce qu'on arrive à la fac et on rencontre ce phénomène de tri. C'est-à-dire, vous arrivez, vous êtes 300. Moi, j'étais en maths physique, donc on était 300, on savait qu'il y avait 50 qui passaient. Ah oui, c'est fini, c'est une année. Au début de l'année, vous savez, c'est ça. Il y a 50 qui passent sur les deux sessions. Ah ouais. Et vous avez, vous êtes confronté à des profs qui affichent la boule, hein, comme on dit, ouais, qui affichent les résultats. Il y a zéro personne en leur UV. Et vous voyez le prof qui vient se mettre à côté de l'affiche et qui sourit. Qui est fier parce qu'il y a personne qui a eu son UV. Ceux qui ont eu son UV l'ont eu dans l'ensemble, comme on dit. Hein. Ils sont passés directement. Ça a rien avec les compensations. Donc voilà, il y a, pour moi, je comprends ce que tu dis parce que autant c'était la guerre à Brazzaville et pire encore à Abidjan parce que j'étais à l'étranger, entre guillemets. Autant quand je suis arrivé en France, les choses ont été étrangement plus simples. Et du coup, ce n'est pas les mêmes défis, c'est juste la solitude. Moi, c'est vraiment la solitude. La solitude, boulot, solitude. Et puis, des profs qui vous disent « Ah, vous avez fait de la chimie en Afrique ?»« Bah, je suis en licence. » mais j'ai quand même des souvenirs. Je me rappelle un prof, un oral. Chimie analytique, hein, quelque chose de barbare, et on a passé 20 minutes à parler de nourriture. Parce que pour lui, la cuisine française, et moi je lui disais, vous savez, nous, on a des légumes, on a de la viande de brousse, il me dit, mais non, on a l'autruche. c'est pas tout le monde qui mange la viande d'autruche. Mais voilà, c'est plus ce genre de choses que j'ai rencontré, où quand on arrive et qu'on se dit, bon, on est en retard, on est arrivé en cours d'année, on vous dit, ah, mais vous avez votre carte de séjour, non? C'est pas grave. Parce qu'il part du principe que la seule chose qui vous intéresse, c'est d'être inscrit pour avoir votre carte de séjour. Mais à part ce genre d'anecdote, voilà, la fac ne m'a pas marqué. Enfin, en tout cas, la fac en Europe ne m'a pas marqué, personnellement. Tu as le même sentiment, Joss? Je pense pas être un exemple pour ce... Mais tu es dedans, justement. Non, je pense pas être un exemple, tout simplement, parce que ayant vécu toute ma vie en France et été à l'école en France, puis à la fac en France, j'ai une vie tellement banale que je vais vous épargner ça. Non, mais il ne faut pas forcément comparer. Hein. Non, je compare pas, c'est que si j'avais été au Congo, dans l'amphi 600, machin, et que j'avais commencé à raconter aux autres gens de l'amphi ma vie à la fac, tout le monde a la même. Donc, qu'est-ce qui fait que ma vie est plus intéressante que la tienne? Tout le monde galère pareil. Donc là, c'est pareil, je suis à la fac, bon, ça se passe bien. J'ai des cours, j'ai des amis. Bon, c'est vrai, c'est tellement... Oui, tu n'as pas encore le recul pour pouvoir... Oui, tu sais, c'est la meilleure période de ta vie. Non, c'est pas la meilleure période de ma vie. C'est quoi la meilleure période de... Moi, j'ai étudié en France, c'est-à-dire que j'ai fait mon secondaire jusqu'à 18 ans au Bénin, au Dahomey à l'époque, et je suis venu avec une bourse ici en France, et j'étais en classe préparatoire. Donc, c'est assez spécial. Donc, moi, c'était l'emprise du travail, c'était à l'internat à Toulouse, au lycée Pierre de Fermat. Et donc, c'était un enfermement pendant 3 ans pour réussir au concours. Et puis après, quand on sort de là et qu'on se retrouve dans l'école, c'est la liberté totale parce que de toutes les façons, on va avoir le diplôme. Donc maintenant, on ne travaille plus. C'était au quartier latin. C'est propre aux écoles de commerce. C'est propre à ça. Mais quand on parle de l'université, de la découverte... Ouais.
de sortir du lycée et arriver à l'université. En plus, moi, je ne suis même pas du tout un exemple parce que je suis sortie du lycée et je suis dans une université où c'est vraiment une continuité du lycée. Il n'y a pas de coupure. On ne se sent pas seul, comme beaucoup peuvent se sentir en fac de médecine, par exemple, où on est seul. Que ce soit, on n'a pas tous ses amis. On a les cours, enfin, les profs ne suivent pas. On est en amphi. Il y a ceci, il faut passer la première année comme ça, il faut se forcer à travailler. Moi, je suis dans une fac où il y a une continuité. Donc, franchement, mes années de fac, je ne sais pas si ce seront celles dont je me souviendrai le plus, parce que je continue l'école, en fait. C'est ça, demandez à Aurélie. Mais en fait, la question, c'est de se dire, est-ce que les années de fac, finalement, ça contribue à l'adulte qu'on devient plus tard, est-ce que ça nous prépare vraiment à la vie? En tant que la vie active, est-ce que ça nous prépare vraiment? Est-ce que ça nous forme? Est-ce qu'il y a des amitiés indissolubles? Est-ce que vos amitiés ont traversé, justement, le fait d'avoir traversé des galères, pour ceux qui ont connu la galère, ensemble, est-ce que ça vous a permis d'avoir des amis indéfectibles dans la vie active? Est-ce que ça fait partie de l'homme ou de la femme que vous êtes aujourd'hui? Mais je pense que ça nous forge quand même. Moi, ayant fait tout le lycée aux Comores et étant venue en France juste pour les études, j'ai découvert en même temps la France et en même temps l'université. Donc je pense que c'est... Ça peut nous forger aussi, parce que du coup, quand on arrive à... C'était l'université de Saint-Denis, je crois, là où j'ai commencé. Et quand on arrive à cette université-là, c'est une université qui réunit énormément de communautés et énormément de nationalités. Qui dit plusieurs nationalités dit plusieurs communautés de nationalités communes. Et donc c'était une expérience assez drôle, parce que à tous les couloirs, on est tout seul. On est vraiment tout seul, mais à tous les couloirs, on entend « bonjour » dans sa langue. Et c'est marrant. Ce que... voilà, c'est comme si... C'est je suis partie une année après, mais c'est comme si vous aviez sur votre front marqué « voilà, viens de tel pays ». Tous ceux qui vous voient, « mais pourquoi tu vas en cours ? Mais reste là, reste discuter avec nous. Tu te sentiras moins seul, viens !» Voilà, donc c'était plutôt comme ça que... Que j'ai ressenti la découverte de l'université, c'est que voilà. Il y en a beaucoup qui ont eu la phrase tu comptes rester ici après tes études ou rentrer chez toi? Ah oui, je pense que c'est tout. Oui, voilà, il y a pas de mais ça, par contre, aussi, j'ai l'impression que, peut-être c'est simplement une impression, parce que j'ai passé plus de temps à faire des études en province que sur l'île de France, par exemple. Il y a quand même une vraie différence d'approche quand on est sur l'île de France plutôt que quand on est en province. Ben, si tu as grandi par exemple en Seine-Saint-Denis, parce qu'en tant qu'écrivain, tu fais plein de salons et tu vas souvent en province. Et quand tu discutes avec des gens de ta génération, tu es abasourdi. Hein, parce que toi, tu as grandi en Seine-Saint-Denis. Moi, mes premiers mots, je les ai appris en arabe. Je parlais plusieurs langues parce que je grandissais dans une cité où il y avait des Chinois, des Turcs, il y avait toutes les munis. Et je pensais que partout en France, c'était comme ça. Mais non. Mon deuxième roman est là, qui se passe en Seine-Saint-Denis. Lors d'une interview, on me demande « Mais Mamadou, quand est-ce que vous allez écrire votre prochain roman? Est-ce que ça va être un roman africain ?» Je dis « Mais je l'ai déjà écrit. » Oui. Et là, ça se passe en Seine-Saint-Denis. C'est un roman africain. Et c'est vrai ce que tu racontes là. Moi, j'ai vraiment été confronté à une autre réalité que tu ne vois pas quand tu habites l'Île-de-France et plus particulièrement la Seine-Saint-Denis. Tu rajoutes avec le communisme, les partis politiques, les choses comme ça. Mais moi, j'ai une chance incroyable d'avoir mes parents. Mais mon père, je ne sais pas. Mais le fait est d'avoir grandi là-bas m'a donné un regard. Par rapport à la France, multiculturelle, mais véritablement dans le rôle, les gens qu'on croisait, cet échange-là. Et pour revenir aux études, j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que j'ai eu beaucoup d'amis qui ont fait des études à la fac, mais des études qui n'ont rien servi. Ils ont fait des études en philosophie, en sociologie, ils n'ont pas bossé dans ces domaines-là. Et c'est ce que je trouve assez extraordinaire. Je ne sais pas comment ça se passe en Afrique, mais avoir le privilège de faire des études pour pas travailler après... Bah, justement, dans le Kewal et le Tchourmi, justement, on a la même DEA en Afrique parce qu'il faut aller à l'école pour. Dans le couloir du campus, il y a un personnage comme ça. Un DEA en géographie, on en fait quoi?
C'est ça. Et moi, j'ai la grande question. Dans le couloir de campus, il y a un personnage comme ça qui fait, qui va jusqu'en maîtrise, puisqu'il n'y a pas de troisième cycle. Donc, quand on est au Congo, on n'a pas les moyens de partir à l'étranger, ben, on arrive, on fait la maîtrise. Et puis derrière, il va ouvrir un ligablo, ce qu'on appelle un ligablo, donc une espèce de petite boutique où il va en vendre des trucs en détail, des sachets de thé, des matchs, des conserves et tout. Et il ouvre ça, et puis, mais il faut qu'il fasse des études. Et il a fini ses études, il a une maîtrise, ben, il va ouvrir son petit kiosque. Il y a aussi une autre réalité, c'est que bon, par mon métier d'écrivain, je suis aussi, ça me permet de voyager en Europe. Et j'ai été souvent invité en Allemagne, par exemple. Et je discutais avec les personnes qui me recevaient, les instituts français et d'autres. Et on me disait que, par exemple, l'Allemagne, c'est là où il y a le plus de femmes au foyer diplômées. Oui. Elles ont des bacs plus 7, bacs plus 8, mais comme la société allemande est tellement conservatrice, la femme qui ne garde pas ses enfants, c'est pour ça qu'ils sont admiratives des Françaises. Le fait est qu'elles peuvent, entre guillemets, cumuler à la fois le travail, une vie de couple, le désir d'avoir des enfants par rapport à toute l'Europe, où on est de la nation, entre guillemets, qui a le plus d'enfants. Voilà, et donc tout ça fait que il y a aussi ce paradoxe. L'université, c'est quelque chose qui doit vous permettre de vous améliorer, d'avoir un héritage, d'avoir aussi la possibilité d'avoir un métier. Et c'est une question aussi qu'on devrait se poser en Europe, et c'est le biais aussi que je pose à un moment donné avec Remington, le fait est que j'insiste, ces jobs, ces formations, à quoi ça sert? C'est quoi cet héritage qu'on a, où on ne nous demande pas de nous questionner, où il n'y a pas d'engagement politique, où il n'y a pas de questionnement sur cette société qui est quand même la nôtre? Moi, je voulais aussi dire que, puisque tu as posé la question, finalement, comment ça nous a formés. Alors, bon, j'imagine, quand on a un parcours d'école comme Jacques, ça doit être peut-être différent. Parce qu'une fois que tu as ton concours et que tu rentres à l'école centrale, tu as déjà une idée de comment les choses vont fonctionner. Ouais. Moi, par exemple, à la fac, déjà, il faut rentrer. Joss a expliqué un petit peu avec le Kewa. Cette question même du baptême, c'est-à-dire vous arrivez à la fac et en fait vous rentrez dans un milieu festif, apparemment festif, en fait, où on chahute, où on et en fait il y a des enjeux déjà, en fait il y a une sélection qui est en train de se faire, et si on vous a pas codé, en fait, vous loupez. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'était mon premier échec. Donc là s'introduit une notion de doute, finalement. Donc la fac va être à un moment donné, un moment où on va se questionner, finalement, les choses étaient simples, et puis ça devient, on n'est plus sur son élément, on n'est plus dans... Donc moi, pour moi, ça a été vraiment un moment de questionnement, en Afrique surtout, à cause de la violence du système, du coup, avec des professeurs qui véritablement sont là pour vous saquer, alors que quand j'arrive en France... Il n'y a pas un truc paranoïa derrière? Ah non. En France, un prof est mal s'il a beaucoup d'échecs dans sa classe. Parce que son but, c'est... Attends, sur un... Non, mais attends, paranoïa sur un examen de chimie, biologie, géologie, sur 300 étudiants, tu vas avoir 200 qui ont moins de 5 de moyenne, et tu en as 10 qui ont la moyenne. C'est pas de la paranoïa. Et j'arrive en France, je fais ma licence et je vois un mec qui a 19 de moyenne en licence, et je vois que quand tu as des redoublants, c'est 20%, c'est 15% de l'effectif. Donc c'est des logiques qui sont complètement différentes, qui sont complètement et donc l'incertitude que j'avais en Afrique, hein, elle est devenue étrangement différente. Elle était différente parce que les enjeux en France, ce n'était pas tellement de réussir, c'était de comprendre la société. Et puis d'avoir le temps de réviser, parce qu'on doit par ailleurs vivre. Bon, moi pour répondre à Aurore, un exemple, l'année dernière en Côte d'Ivoire, le taux de réussite au bac, c'est 17%. C'est vrai que la vision... Parce que j'allais parler d'un phénomène. Moi, j'ai fait une partie de mes études en Côte d'Ivoire aussi. Sauf qu'effectivement, comme la faculté, c'était la charcuterie, j'ai été dans l'enseignement privé, en fait. Mais à côté de ça, j'avais ma sœur qui allait à la faculté.
Et elle, elle a subi 2 années blanches consécutives. Oui. Mais le truc, c'est incroyable. Ça, c'est la question que ça pose derrière. Exactement. Deux ans. De droit, 2 ans consécutifs. Mais tu te rends pas compte que... Nous, mais ça a généralisé, ça. On n'envisage pas les études de la même manière, en plus. Même, encore une fois, on a des profs, le prof, il vient, il est fier de dire « j'ai distribué 101 ». Hein. Parce que tu combats le système quand tu es... Et c'est vrai que tu arrives à la fac, c'est un monde totalement différent. En France, moi personnellement, je n'avais pas de bourse, donc les questions que je me posais, est-ce que j'aurais le temps de réviser? Parce que je dois travailler à côté. Mais je ne doutais pas du fait que j'allais avoir mon examen. Je doutais du fait que, est-ce que j'aurais le temps de réviser? Mais quand je suis à Dakar et que tu passes 8 heures d'affilée à réviser un truc, à mémoriser par cœur, et tu vois que vous êtes nombreux à faire ça, mais que vous savez qu'en première année... Exactement, mais vous savez, de toute façon, en première année, vous êtes 800 et qu'en deuxième année, il y a 400 places. C'est comme ça. Parce qu'il y a du matériel de TD pour 400 personnes. Et vous savez qu'on vous dit, tu es en première année, c'est l'année de tourisme. Tu viens pour voir comment ça se passe. Donc tu t'adaptes pas simplement, tu n'es pas dans une problématique de réviser et de réussir, mais tu apprends à connaître un monde différent, avec des paradigmes différents, avec des interactions différentes. Tu n'as plus... À Braza, tu n'as pas le droit de draguer l'ancienne. Mais une question, est-ce que tout le monde avait le droit d'aller à la fac? Ah oui, parce que je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Dès le départ, on était déterminés, je veux dire, parce qu'on était de Seine-Saint-Denis et qu'on était d'un milieu social, on devait forcément aller dans le BTP. La fac, moi, je ne l'ai pas connue. Moi, j'ai fait des cours privés. La fac, 90% de mes amis ne sont pas allés en fac. Ils ne sont pas allés en fac. Non, pas parce que les parents n'avaient pas de ressources. Comme, entre guillemets, l'université, entre guillemets, est gratuite en France. Ouais. Rendez-vous compte. C'est parce qu'on avait eu le malheur de grandir dans l'autre côté du périph, on n'avait pas... Nos professeurs, vous saquez, mais nous, nos professeurs, c'est limite si nous incitez pas au suicide. Mais sincèrement, moi j'ai eu un professeur... C'est un BEP pro, allez. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, BEP pro, ACC, comptabilité commerce, mais véritablement, quelqu'un qui avait des dispositions pour les études, on faisait tout pour vous en dégoûter. Mais c'était un système, et ça l'est encore. Le plafond de verre, on a beau dire quand, mais quand je vous entends, 400, écrémage, tout ça, mais moi, qui, entre guillemets, qui vis en France normalement, privilégié de surcroît avec les études et tout, le fait est d'avoir grandi, d'être né, entre guillemets, en Seine-Saint-Denis, m'a condamné dans mes études. Je le répète 100 fois, j'ai jamais pu envisager, mais même dans mes rêves les plus dingues, d'être avocat, d'être journaliste. Mais rendez-vous compte, j'avais des dispositions intellectuelles, mais je ne pouvais pas, parce que j'avais grandi en Seine-Saint-Denis et que j'avais des origines africaines. Et donc, pourquoi cette collection, justement? Je lutte contre ce genre de déterminisme. La question que je me posais aussi, c'est que là, on a entendu les souvenirs des étudiants immigrés, principalement. Ils ont vu des choses marginalisées. Mais on n'a pas entendu Françoise, par exemple. Des étudiants. Il n'y a pas Françoise. Ça t'en Oui, la fac, certainement, je pense que les années fac laissent aussi, moi en tous les cas, c'est des choses importantes dans... Bon, c'était une fac un peu particulière, parce qu'en l'occurrence, médecine, c'est un concours, donc c'était pas 800-400, c'était plutôt 1000 et 150. Mais la différence, c'est que... on le sait au départ, et puis que c'est prévu, c'est prévu comme ça. C'est comme les classes préparatoires où il faut rentrer. On est aussi, donc. À un moment ou à un autre, la seule différence aussi, c'est qu'une fois que le cap est passé, après, c'est pareil qu'une fois qu'on est rentré dans l'école d'ingénieur, après, c'est la ça roule, quoi. C'est la récré, peut-être pas, mais enfin, en tous les cas, il n'y a pas cette avenir. Qui, en plus, je pense, n'est pas... Maintenant, j'ai des enfants qui sont à la fac, donc je sais un petit peu ce que c'est maintenant. Et je pense que c'est, à mon avis, beaucoup plus difficile. Moi, je suis dans la génération XY.
Aurore. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Mais ouais. Maintenant, les jeunes, je pense que les jeunes qui sont à la fac, c'est certainement plus difficile que. C'est plus difficile parce que. Il y a 30 ans, on pouvait travailler pendant ses études, par exemple, chose qui maintenant est quand même difficile. Alors d'abord, on trouvait du travail si on avait besoin, donc, tandis que maintenant, même si on a besoin de chercher du travail pendant les études, c'est difficile d'en trouver, et on avait les moyens de... on pouvait le faire. Alors que maintenant, un étudiant... Moi, je pense qu'on a trop de choix. Je pense que vraiment, le choix a tué... Le choix a comprimé les étudiants. Parce que, c'est une réflexion que je me suis dite, hein, parce que moi aussi je me suis questionnée en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? Je me demande, peut-être que tout le monde ici s'est posé la question une fois dans sa vie à la fac, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Par contre, on sait plus pourquoi on est là. Et en fait, je pense que c'est parce qu'on a trop de choix. Du coup, ça amène le doute. Alors qu'avant, quand on était sûr que, depuis qu'on est petit, on disait tu vas faire polytechnique. Bon, je prends un exemple, tu vas faire polytechnique. Tu savais pourquoi tu faisais ça, parce que depuis que je suis petit, je suis là, c'est mon rêve, c'est ce que je dois faire, machin. Alors que quand on est là, oui, je rêve d'être psychologue, et puis on se retrouve en fac de psycho, et puis on s'assoit, et puis est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, la sociologie, et puis parce qu'il n'y en a pas qu'on... Mais est-ce que ça donne pas du travail? Parce qu'il y a des problèmes du travail. C'est pour ça qu'existent les conseillers d'orientation. Là aussi, à la limite, la question qu'il faudrait se poser, c'est que... Et là, la vraie différence entre les écoles d'ingénieurs et les facs, à la base, la fac, on forme des gens pour que derrière, ils apprennent un métier. Les écoles d'ingénieurs former des gens pour faire un métier. Et là aussi, c'est un choix quelque part de société. Est-ce qu'on veut spécialiser les gens tout de suite parce que tu vas être, ingénieur BTP et que donc, dès que tu es en quatrième, tu n'es que dans ça? Et donc, est-ce que la formation, on parlait des gens qui ont fait sociologie et autres, je discutais avec un de mes profs à l'époque, il nous disait qu'à son époque, la SNCF, EDF, toutes ces boîtes-là, embauchaient des gens qui étaient diplômés. Ils ont embauché des gens qui étaient diplômés parce qu'ils partaient du principe que vous avez fait des études, donc vous êtes capable d'apprendre, vous êtes intelligent. Et ensuite, on vous apprenait le métier. Et donc, le principe, c'était de former des gens à apprendre, des apprenants. Et qu'aujourd'hui, lui-même, il dit, quand ils ont des recrutements à la SNCF ou à l'EDF, ils te demandent qu'est-ce que tu sais faire. Donc, est-ce qu'à l'école, tu sais utiliser tel logiciel, alors que le principe. Et donc, là aussi, c'est un choix de société. Si on est hyper spécialisé en carrosserie, aluminium, le jour où c'est plus l'aluminium et que, moi, je le sais, j'ai subi ça parce que j'ai une formation qui était très. C'était ce qu'on me demandait, les plasturgistes, parce que l'automobile, machin, je suis sorti de là, l'automobile avait une crise. Et que ça m'embauchait plus. Donc, j'avais un socle généraliste qui m'a permis, moyennant un autre diplôme, d'aller ailleurs. Mais il y avait des gens qui étaient dans ces spécialisations-là, qui, normalement, auraient été beaucoup plus performants que moi sur le marché de l'emploi, parce qu'ils étaient vraiment spécialisés. Mais ils se sont retrouvés, ils sont spécialistes plasturgistes et dans un secteur qui était complètement mort. Parce qu'ils avaient été formés sur un métier. Donc là aussi, la question se pose, est-ce que les facs ne doivent pas justement former simplement des gens qui savent apprendre? C'est une grande question qu'on va continuer avec le dîner. Oui, deux secondes. J'aimerais dire un truc à propos des années d'étudiants, tout ça. Moi, j'aimerais dire une chose. Que pour moi, c'est les années où on se fait des amis. C'est-à-dire, et moi... moi je suis venu en France en 66, 2 ans après c'était mai 68. Quand j'étais dépassé. Ouais, alors c'était une grande expérience pour moi. Et en plus, à cette époque-là, il y avait la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF, et il y avait donc une unité africaine, enfin, c'est-à-dire en tant qu'étudiant, on retrouvait les gens de tous les autres pays, de toutes les nationalités, tout ça. C'est de grandes années pour moi et de grands souvenirs. Il me reste absolument beaucoup d'amis de cette époque. Et quand je vais en Afrique, ils sont
ils sont en Afrique, dans différents pays. C'est plus rare de nos jours. Maintenant, c'est plus difficile. Bon, ben, en tout cas, c'était pas là, Retour des Arts. Je rappelle les livres qu'on a chroniqués aujourd'hui. Faustin Kewa les Tourmis dans le couloir du campus. Bâtiment. Le bâtiment A de Marien Foné-Ngombé. Patrick Chamoiseau, Une enfance créole. Notre-Dame du Nil, Scolastique Mukasonga. Et nous avons reçu Mamadou Mamoud Ndongo, auteur de Remington. Donc à lire absolument, c'est super intéressant. Du coup, moi je vais lire également ses autres livres, La géométrie des variables, Monde Indigo et tous les autres. Et puis n'hésitez pas à découvrir aussi. N'hésitez pas à découvrir tous les auteurs dont nous parlons ici. Notre hôte, Jos Dosgène, Par mon fils, Va au loin et grandit, Le clan Roboto qu'on ne présente plus, Toufat, l'une des chroniqueuses qui est également auteur, Âme suspendue, et qui a un livre bientôt à naître. Voilà. L'exil d'Aknan. Sinon, vous avez sur le groupe plusieurs livres aussi avec les titres et nos précédentes palabres. N'hésitez pas à venir. Sinon, ça n'aurait pas été le cas. En tout cas, merci de nous avoir tenu compagnie ce soir. Revenez. Ah oui, avec grand plaisir. Emmenez des amis. Et Jacques revient. La plupart reviennent quand on est gentil avec eux. Bon, on est gentil en général. Donc voilà, bonne soirée. Et puis, on va. Et là, on sent les odeurs, là.